Bonjour YouTube. YouTube, peuple de YouTube, YouTubeien, YouTubeienne, sachez, sachez que vous avez manqué des astuces make-up. Si vous aussi, vous avez un teint qui n'est pas uniforme, par exemple parce que vous avez des taches oranges sur le visage parce que vous avez mangé trop de carottes, il paraît que ça peut arriver. Alors moi, je ne sais pas, mais on m'a dit, des gens m'ont raconté que qu'ils mangeaient trop de carottes, genre ils mangeaient genre 5-6 carottes par jour tous les jours, vous imaginez les malades. Euh, très étrange. Bon, et, et ces gens-là, on m'a raconté qu'ils avaient des taches oranges sur le visage. Eh bien, sachez que on a eu avec euh, Twitch un débat sur comment faire pour euh, neutraliser les taches oranges sur le visage euh, afin de maquiller un teint uniforme pour briller de mille feux. Sous les caméras, enfin, sous les, les lumières et devant les caméras des plateaux télé, vous voyez Eh bien, on a parlé d'astuces make-up, voilà, sachez-le. Vous avez raté cette discussion. Donc, peuple de YouTube, si tu ne veux rien louper des astuces maquillage euh, présentes sur cette chaîne, eh bien, rendez-vous tous les lundis, mercredis et vendredis matin, bien sûr, pour le café rhétorique. Par ailleurs, YouTube, abonne-toi. Vous êtes 62 000 sur YouTube, 62 000 à follow la chaîne. Nous sommes 80 000 sur Twitch. Euh, sur Twitch, ça croît, mais ça croît moins vite que sur YouTube. Sachez, peuple de YouTube, que si vous y mettez un bon coup de, un bon coup de cuillère à soupe, euh, un bon coup d'huile de coude, hop, en quelques jours, quelques semaines, YouTube dépasse Twitch en nombre de followers. Est-ce que ce ne serait pas merveilleux Est-ce que ce ne serait pas finalement affirmer votre prééminence Ce serait pas mal. Voilà, YouTube, s'il te plaît. <laughs> bon, allez, on avance, bien sûr. Euh, ça me fait bizarre quand tu parles au peuple de YouTube. En général, j'en fais partie. Il ah, y, a, y a de plus en plus, c'est vrai, les entrecroisements, hein, les YouTubeurs et YouTubeiennes qui se trouvent sur ce, sur ce, sur ce chat, qui, vi qui viennent voir par curiosité et qui du coup peuvent s'abonner, ce qui est quand même très bien. <laughs> bon, allez, j'avance. Euh, Aujourd'hui, YouTube, on va parler bien sûr de l'étonnante reconversion d'Olivier Véran. Un article du Parisien paru la semaine dernière euh, qu'on va lire ensemble qui a l'air tout à fait intéressant. Mais avant cela, avant cela, incroyable mais vrai, on va suivre, on va lire un thread posté sur Twitter par Servan Marzin qui est professeur d'histoire géographie EMC éducation morale et civique euh, à Créteil et au Lila apparemment. Elle est par ailleurs docteur en histoire contemporaine et, semble-t-il, élue euh, SNES FSU. Euh, et c'est intéressant parce que elle a posté ce matin, 26 mars, hier. <laughs> elle a posté hier soir euh, ce thread Twitter sur l'ouverture du site Un jeune, une solution, et c'est quand même un peu marrant. Alors vous allez voir, vous allez voir, hein. bon, elle, est, euh, elle est un peu taquine. Elle est un peu malicieuse, elle est un peu roublarde. Mais euh, vous allez voir que c'est intéressant. Euh, un fil de rappel. En novembre 2023, l'éphémère ministre de l'Éducation nationale annonce une décision qui ne répond à rien, sauf à pousser les jeunes à faire le SNU. La décision de Gabriel Attal est prise et elle, sera pr et elle sera présentée au syndicat enseignant ce jeudi tous les élèves de seconde devront faire un stage en juin prochain ou effectuer un séjour de cohésion dans le cadre du SNU. Donc, décision de Gabriel Attal. Alors ministre de l'Éducation nationale en novembre dernier, souvenez-vous, Gabriel Attal avait dit, tous les jeunes devront faire soit un SNU, un séjour de cohésion dans le cadre du SNU. N'oubliez pas, hein, le SNU que, que porte à bout de bras, que pousse à bout de bras l'actuel gouvernement, et notamment au sein de l'actuel gouvernement, Gabriel Attal lui-même, qui a été longtemps le ministre du SNU hein, avant d'être ministre euh, au compte public. Il a été le secrétaire d'État chargé du SNU. Ah, oh, pub Je dois y aller, j'ai une RéU. Comment ça, Pumph, t'as une RéU, mais t'es es en vacances Attends, Je ne comprends plus rien. Pub, oui, je sais, je sais, attendez. Pub, j'attends. Hop, abonnez-vous. <laughs> si vous voulez pas la pub. <laughs> Quelle raclure. Bon, attendez, on est en, on est en pub, c'est terrible. J'ai rien, rien le droit de dire pendant 2 minutes 27. La réunion en terrasse, ouais, ça ressemble à ça, hein. Pemf pardon mais euh, est-ce que c'est très crédible cette histoire de réunion Pas sûr. Bon merci Ambor pour ton troisième mois d'abonnement ainsi que Zizno de Montesquieu pour ton deuxième mois d'abonnement. Coucou les petits loups et la Gorgone 54 trois mois d'abonnement et de trois. Merci les amis. Quelle est ta meilleure recette de carottes Alors attendez bougez pas faut que je me mouche j'arrive hein j'arrive. Alors attendez, vous avez raison. Pendant la pub, pendant la pub, je donne des recettes à base de carottes. <laughs> Alors, euh, ma carotte cake, au bon, moi carotte cake, je suis pas un... C'est pas ce que je préfère. Le carotte cake, c'est pas ce que je préfère, c'est pas mal. Euh, ma meilleure recette à base de carottes, mais en fait, le problème, c'est que je vous l'ai déjà donné. Moi, alors, je suis un grand amoureux des carottes crues. Je considère que les carottes crues sont meilleures que les carottes cuites. Voilà, on peut en débattre. Les carottes cuites, c'est très bon aussi. Euh, le, le C'est vrai que carottes rôties au four, grillées au miel, les carottes grillées au four et, et rôties un peu au miel, là, ça, c'est pas mal. Purée de carottes, moi, je trouve que c'est de mauvais goût. lanti carotte, très bon. Alors lanti carotte effectivement délicieux absolument absolument lanti carotte c'est vrai que c'est délicieux mais écoutez je, je, je vais vous, vous l'avouer je vais vous le confesser mais moi j'avoute, j'avoue <laughs> moi que les carottes râpées et là je parle pas de juste une petite carotte râpée que tu râpes comme ça à la main euh, au dessus de ta salade composée pour la pour, pour lui donner un peu de un peu de joie non, non, là, moi, je vous parle vraiment des carottes râpées, tu vois. Genre là, tu, tu te donnes, tu sors ton putain de, de robot à râper les carottes, là, t'épluches 18 carottes, tu les râpes, ça fait du bruit, c'est incroyable, c'est hyper compliqué à assaisonner. Euh, bon, les carottes râpées. Alors, tips pour vos carottes râpées. Tips pour vos carottes râpées. Attention, c'est réel. Ce que je vais vous dire est réel. Tips pour vos carottes râpées. Les carottes râpées, il faut les faire la veille. Donc tu fais tes carottes râpées, tu vois. Les carottes râpées, c'est très dur à assaisonner parce que le... le euh, alors tu peux assaisonner tes carottes râpées au vinaigre balsamique, ça, ça fonctionne. Euh, en fait, le, le, le problème des carottes râpées, c'est que le goût des carottes est très vite euh, bouffé par le goût de la sauce. Le goût de la sauce prend très vite l'ascendant. Et... Euh, <coughs> et donc, tu fais carottes râpées et vinaigre de vin, Très souvent, ça va être trop acide et, et, et pas être génial. Vinaigre balsamique, c'est pas mal, mais le vinaigre balsamique va vraiment prendre la prééminence sur le goût des carottes et ça va être moyen. Mais il y, y a un secret que je vous donne, c'est réel, hein, ce que je vous dis. Il y a un secret. Tu fais tes carottes râpées la veille. Tu les assaisonnes selon ton goût, tu vois. Euh... Moi, je, je trouve que le combo huile de tournesol, vinaigre de vin, le truc basique, tu vois, je trouve que ça marche très bien. Euh, il faut des échalotes bien sûr euh, et de l'ail surtout ah ouais alors de l'ail alors attention échalote oui ou non ça se discute mais de l'ail hein. tu râpes, évidemment pendant que tu râpes tes carottes tu, tu, mets, tu mets de l'ail et tu râpes l'ail avec tu vois bon donc euh, tu fais euh, tu fais carottes ail râpé t'assaisonne comme, comme tu veux selon ton goût tu vois <coughs> tu doses ton assaisonnement s'il y a pas assez de vinaigre t'en remets un peu tu doses tu vois et une fois que t'estimes que le plat de carottes est bon une fois que estimes que t'as un plat de carottes râpées qui est bon, surtout, tu ne le manges pas, tu mets un film plastique dessus ou un film alimentaire ou ce que tu veux ou tu le mets dans un grand tupperware, peu importe, et tu le mets au frigo. Et tu attends 24 heures. Ce qui va se passer, c'est qu'en 24 heures, le sucre des carottes va dégorger et va se mêler à la sauce. Le lendemain, tu, tu remélanges bien tes carottes. Et là, tu te rends compte que la sauce qui était si difficile à équilibrer, si difficile à, équ à équilibrer, tout d'un coup, la sauce se mixte avec le sucre qui dégorge des carottes, et ça te fait le plat de carottes râpées le plus délicieux, le plus équilibré, le plus sucré-salé de l'histoire des carottes râpées. Vraiment, le, le plat de carottes râpées que tu as laissé euh, refroidir 24 heures au frigo, c'est... Euh, le nectar des dieux pour votre bouche, vraiment merveilleux. Quoi. Voilà, voilà. Je, vous donne, je vous donne, le truc. Voilà. Bon, du coup, euh, c'était censé être exclusif au, à la team abonnement. Euh, du coup, tout le monde a eu le, le tips. Vous voyez, bon, euh, j'ai mal fait mon travail de, de, de marketeur. Euh, J'aurais dû, dû, aller plus vite pour donner la recette. Et comme ça, en retour de pub, je vous aurais dit, eh ouais, j'ai donné la recette, euh, la recette de carottes râpées la plus équilibrée. Et vous étiez même pas là. Voilà. Vous testerez, vous testerez et vous me direz. Euh, testez, testez, allez, testez ce soir. Voilà. Allez vous acheter euh, une petite dizaine de carottes, vous râpez ça euh, tranquillou dans la soirée, vous assaisonnez selon vos goûts, Tupperware ou film plastique, frigo, 24 heures. Vous goûtez demain, on en parle vendredi, vous m'en direz des nouvelles. Bien, euh, je remercie évidemment, bien sûr, euh, Scavenger 42. Euh, pour son deuxième mois d'abonnement. Nico CGD, troisième mois. Maximus Senbei, troisième mois également. Team Purée, Carotte, Butternut, Pomme de Terre. Ah, c'est pas mal, ça, c'est vrai. Matipoix qui s'abonne, bienvenue. Croix-Croix <laughs> qui s'abonne également, bienvenue aussi. Chine de l'Atelier qui s'abonne, merci beaucoup. Princesse troisième mois de Prime, merci beaucoup. Et Exosquelette, deuxième mois d'abonnement, merci beaucoup, les amis. Alors, donc, on revient à euh, notre. Euh, notre, notre thread Twitter, bien sûr. Toc. Attends, on en plein écran, on n'est pas de Voilà. On revient à notre thread Twitter sur euh, le site Un jeune, une solution. Euh, la décision de Gabriel Attal est prise et elle sera présentée au syndicat enseignant ce jeudi. Euh, tous les élèves de seconde devront faire un stage en juin prochain ou effectuer un séjour de cohésion dans le cadre du SNU. C'était évidemment une manière pour le gouvernement d'inciter les jeunes. Euh, avant même la généralisation annoncée par Emmanuel Macron du service national universel. Vous savez, hein, ce, ce truc crypto-militariste qui sert à rien à part à faire défiler les jeunes euh, au pas avec des casquettes, bien sûr, euh, sous le drapeau. Euh, pour pousser les jeunes à s'engager dans le SNU, euh, Gabriel Attal annonce donc cette décision, mais il précise c'est soit le SNU, soit un stage euh, en entreprise. Et alors là, évidemment. Euh, nombreux sont celles et ceux qui disent, mais votre truc, ça va encore être une discrimination sociale, une prime aux élèves qui sont bien insérés. Enfin, dont les parents plutôt sont bien insérés dans le monde professionnel et qui vont sans difficulté leur trouver des stages en entreprise. Et puis de l'autre côté, euh, des gamins qui sont soit des enfants de parents qui ne trouvent pas d'emploi, soit qui sont des enfants de parents qui ont un emploi, mais un emploi euh, tout en bas de l'échelle euh, des emplois et qui donc auront bien du mal à trouver un stage. C'est-à-dire que forcément, quand ton père, tu vois, ou ta mère est ne serait-ce que cadre dans une entreprise, bon, bah, trouver un stage, c'est comme ça, tu vois. Euh, mais si tes parents sont euh, personnels d'entretien, euh, s'ils sont caissiers ou caissières. Bon, bah tu vois bien que là, trouver un stage, euh, c'est beaucoup plus difficile, tu as beaucoup moins de, 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 de leviers au sein de l'entreprise où tu travailles. Donc, il y a pas mal de gens qui ont dit, mais votre truc, ça va encore être une discrimination qui va euh, favoriser les euh, élèves les, plus, euh, les mieux insérés, enfin, nous les parents sont les mieux insérés dans le monde professionnel, et les autres qui vont se retrouver le bec dans l'eau. Les responsables de euh, très petites entreprises et de petites et moyennes entreprises précisent que cela va être difficile Organiser 500 000 stages intéressants sur 15 jours, parce que là, on ne parle pas du petit stage de troisième qui dure quelques journées. Là, on parle d'un stage de 15 jours. Donc, c'est beaucoup plus dur, évidemment. Et donc, euh, les responsables des, euh, des TPE-PME alertent que euh, ça va être difficile d'organiser ces stages. On a ici, le thread a été bien fait. On a la source. On va quand même cliquer pour voir ce que disent les échos. Stage de seconde. Euh, attendez, se connecter, j'ai un accès, j'ai un accès aux échos, je veux juste pas que vous le voyez, c'est bon, voilà, we're in, voilà. « Les élèves de seconde devront faire un stage en juin ou un séjour de cohésion dans le cadre du SNU. Depuis le MEDEF où il s'est rendu ce mardi, le ministre de l'éducation nationale s'est employé à lever les doutes et à répondre aux interrogations des patrons. » La décision de Gabriel Attal est prise et elle sera présentée au syndicat ce jeudi. Il faut reconquérir le mois de juin pour les élèves qui ne passent pas d'épreuve en fin d'année, avait indiqué Emmanuel Macron en août dans une interview au Point. Le stage durera deux semaines du 17 au 28 juin prochain, donc mis en place dès cette année. Le job d'été permettra d'échapper au stage. Les projets de décret et d'arrêté prévoient que les élèves puissent choisir d'effectuer un stage au mois de juin, soit la séquence d'observation en milieu professionnel, soit un séjour de cohésion du SNU. Ok. Euh... Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a ouvert une grosse brèche dans le caractère obligatoire de ces stages. Ceux qui font un job d'été n'auront pas besoin de faire un stage en plus. Soit. Euh... Ça reste quand même des centaines de milliers de stages à trouver. Et effectivement, du côté des PME et des TPE représentés par l'Union des entreprises de proximité, on s'interroge à ces jours-ci sur la mise en œuvre de ces stages obligatoires qui concernent 500 000 élèves de seconde. Pour nos petites entreprises, se pose un problème de mise en œuvre. Je ne veux pas dire qu'on ne sera pas au rendez-vous, mais ça va être difficile d'accueillir tous ces jeunes. Soit. Le CSE qui rassemble les représentants de l'ensemble des acteurs et actrices de l'éducation, s'oppose à ce stage de seconde par 58 voix contre 8. Donc les syndicats sont radicalement contre l'organisation de ce stage de seconde. Aucune des alertes de ce professionnel de l'éducation ou de la formation des fleurs, un ministre qui assume de faire perdre leur temps à des centaines de milliers d'adolescents et d'adultes chargés de les accompagner. Bon, ça c'est le point de vue de euh, cette professeure, euh, c'est son point de vue à elle. Hein et balaye les inquiétudes légitimes soulevées par les disparités sociales et économiques dans l'accès aux stages, pour les élèves des quartiers difficiles, Gabriel Attal a promis une plateforme pour accéder à des stages de qualité sur le modèle de celle des élèves de 3e. Plus généralement, une plateforme va par ailleurs cartographier les professionnels disponibles dans les entreprises pour intervenir en classe sur le modèle de ce que font certaines régions, a promis Gabriel Attal. Ce dernier est, actu est activement... Soutenu par le MEDEF, qui par la voix de son président se déclare surmobilisé pour apporter les stages nécessaires de son côté, Gabriel Attal communique à tout va. Le 29 novembre, devant 200 lycéens et chefs d'entreprise, Gabriel Attal déclare même que des offres sont déjà disponibles grâce aux engagements de 300 entreprises et organisations. Euh, un petit raout avec Petit Four et Journaliste a été organisé pour fêter ça dans un quartier populaire à Pierrefitte. Le lycée choisi est flambant neuf, bien différent des établissements délabrés du secteur, Utry-Ouestin et Paul-et-Loire à Saint-Denis. Et c'est là que ça devient intéressant. Le compte à rebours de l'ouverture de la plateforme commence et repoussé une première fois, une seconde. Finalement, ce sera le 25 mars, donc avant-hier. Ça fait tard pour des stages qui doivent obligatoirement démarrer le 17 juin, en effet. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Madame Belloubet, se rassure comme elle peut au lycée Saint-Maur, IPS 142, en moyenne nationale 104, 75 dans le lycée pro de mon secteur. Donc Nicole Belloubet qui dit Les élèves du lycée marcelin Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés m'ont témoigné de leur vif intérêt pour cette opportunité qui va leur permettre de découvrir un nouvel environnement et réfléchir à leur projet. Avec le réseau de papa-maman ou des copains, ça passe crème. C'est dit un peu méchamment, mais en effet, on a ici une valeur chiffrée. Hein. Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation, dit ça au lycée Marcelin Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés, IPS 142. Ça veut dire que euh, IPS indice de position sociale, ça veut dire que on est dans un lycée où les parents des élèves sont en moyenne beaucoup plus favorisés, enfin où les parents des élèves sont beaucoup plus favorisés que la moyenne nationale. Effectivement, à hein, Saint-Maur-des-Fossés, banlieue parisienne, banlieue plutôt résidentielle, mais banlieue résidentielle assez chic. Euh, en tout cas assez euh, favorisé. Et donc effectivement, quand tu as un indice de positionnement social qui est euh, supérieur à la moyenne, ça veut dire que tu as des parents qui sont très bien, des familles qui sont très bien insérées dans euh, le tissu euh, social et professionnel, et donc très facile de trouver des stages de euh, seconde. Ça n'est pas exactement la même chose que euh, de le faire dans un lycée euh, du 93 euh, défavorisé. Mais il reste un paquet d'élèves à caser. Pas de panique, nous aiderons dans la recherche. L'opération Mon stage de seconde lancée en novembre dernier a déjà permis de recenser plus de 200 000 offres de stage grâce à la mobilisation des acteurs majeurs du tissu économique. Arrive enfin le 25 mars, la plateforme ouvre et on va aller voir la plateforme. <rire> Alors... <rire> Alors. On est sur la plateforme de l'éducation nationale, un jeune, une solution. Alors, si vous n'étiez pas là au tout début de ce stream, effectivement, déjà, euh, la fameuse plateforme où c'est écrit en bleu sur bleu, bleu clair sur bleu clair, déjà, tu te dis, OK, <laughs> déjà c'est moche. Alors attendez, attendez, c'est ma faute, je suis en, en, en thème sombre. Qu'est-ce qui se passe quand je le termine OK, c'est ma faute, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, c'est moi. C'est moi, euh, c'est moi, euh, pardon, c'est moi, c'est mon thème sombre qui a foutu. Le... My eyes! C'est mon thème sombre qui a foutu le bordel. C'est moi, c'est moi. On Enlève le mode sombre. C'est moi, Dark Reader, c'est moi, c'est ma faute. Euh, autant pour moi, je bats ma coulpe. Euh, J'ai jeté l'eau propre un peu vite. Il semblerait qu'on ait jeté l'eau propre avec l'eau le, du bain. <laughs> je. Voilà. Euh, ici, on se corrige. Quand on dit une bêtise, on le dit. On n'a pas peur. Bon, donc, on est sur la plateforme du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche. Un jeune, une solution. Stage de seconde général et technologique. Euh, c'est vraiment ça. Hein. Ah oui, on est sur stage de seconde. un jeune, une solution. Qu'est-ce qui se passe si on va juste. Attendez. Je suis curieux. Hop. Qu'est-ce qui se passe si je vais juste un jeune, une solution Ok, donc, un jeune, une solution, c'est le fameux truc. Euh... À chacun sa solution. Voilà, c'est le fameux truc où tu peux trouver des emplois, tu es censé pouvoir trouver des logements, c'est la plateforme euh, gouvernementale qui, euh, enfin étatique d'ailleurs pas gouvernementale, euh, qui accompagne les, euh, les jeunes dans leur recherche euh, d'emploi ou de stage. On va aller voir le site stage 2 solutiongouvfr Bien, alors, bah écoutez, euh, cherchons un stage. Voilà, cherchons un stage, élève. Trouver un stage de qualité. Eh, hey, trouver un stage de qualité. Alors, euh, on ne va pas faire une recherche par métier. On va pas faire ça. On va faire, ça ne se fait pas. On va pas faire une recherche par métier. On va faire une recherche par ville. Admettons, admettons, tu cherches un stage à Nantes. Pourquoi pas voilà, Tu cherches un stage à Nantes. Admettons. Tu, tu, tu vois, Nantes euh, recherchée. Ouais, tu cherches un stage à Nantes. Nantes, combien d'habitants Combien d'habitants Tu cherches un stage... Euh, 300 000 habitants. Ouais. Tu cherches un stage à Nantes. Nantes, 300 000 habitants. Euh, combien d'élèves sur les 300 000 habitants bah, bah quand même quelques, ouais, quelques milliers. Hein. Donc admettons, tu cherches un stage à Nantes. Alors, combien y a-t-il d'offres de stage à Nantes Ok, c'est pas mal. Il y en a quelques-uns... Il y en a quelques-uns, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça Professeur. Attendez, hein Enseignement, enseignement. Ah, donc. Donc. <laughs> attendez, attendez, attendez. Donc. Le... Information sur le stage. Le professeur des écoles peut enseigner de la petite section au CM2. En responsabilité d'élèves, il est en charge de leurs apprentissages. Ah Alors, à Nantes, c'est là qu'on voit, qu voit vraiment l'efficacité de les entreprises, tout ça. Alors, attendez, on va, on va quand même. <laughs> Alors, on a trois stages en entreprise. Hein, et encore, même pas, parce que là, c'est un stage au rectorat de l'Académie de Nantes. Donc, on a, on a trois stages au rectorat de l'Académie. Donc, tu as trois personnes qui peuvent, qui peuvent travailler au rectorat. Et puis ensuite, professeur des écoles, professeur des écoles. Ah! Marin-pêcheur, non, lycée professionnel. OK. École primaire, rectorat, école maternelle, école primaire, école, école, professeur des écoles, commerce. Ah! Un stage. Emploi et commerce, deux stages. Ok, sinon, euh, direction 3 stages ici, professeur des écoles, professeur des écoles, chargé de co 4, 5, d'accord Là, c'est la préfecture qui joue le rôle, qui joue le jeu. Et ensuite, école maternelle, école maternelle, école maternelle. On continue, hein Donc, à Nantes, grosso modo, tu as moins de 10 stages pour l'instant. Tu as moins de 10 stages. Euh, qui sont des stages professionnels et le reste euh, non pas que les stages à euh, ah, SNCF non pas que les stages à l'école à, à soient des, soient pas des stages professionnels mais vous voyez que grosso modo on propose aux élèves nantais de venir <laughs> découvrir le métier d'enseignant <laughs> élèves de Nantes, venez découvrir le métier d'enseignant que vous ne connaissez pas. Euh, voilà, voilà, venez découvrir le métier de professeur des écoles, voilà, venez aider les professeurs des écoles à finir leur année. Mais encore, il y en a pas mal Alors attendez, en vrai, en vrai, il y en a, alors c'est vraiment évidemment totalement du foutage de gueule, euh, c'est, on a demandé aux écoles de bien vouloir venir candidater, et les écoles de Nantes ont joué, ont joué le jeu. Euh, voilà, on a demandé aux écoles de bien vouloir euh, candidater pour, euh, pour euh, offrir des stages aux plus jeunes, ce qui est pas mal, hein, ce qui est pas mal, c'est-à-dire que euh, quelque part, quelque part, vous voyez, 9h-16h, pause déjeuner, quelque part, c'est toujours mieux que rien, hein. c'est toujours mieux que rien, il y en a pas mal, à Grenoble, ce n'est pas ça. Mais effectivement, Nantes, je suis un peu surpris, Nantes, ça, ça reste pas mal, ça reste pas mal. Regarde Marseille, alors, on va tenter Marseille. Alors, Marseille qui est intéressant parce qu'à Marseille, tu as des quartiers. Déjà, Marseille, c'est une très grande, très grande ville. Hein. Alors, combien, combien d'habitants à Marseille On va chercher. Marseille. Alors, Nantes, c'était pas si mal. Hein. Marseille, on a 800 000 habitants. Donc, euh, quand même. Quand même hein. En plus, là, j'ai pris 10 km autour de Marseille. Hein. Et Marseille, euh, avec des quartiers très pauvres. Hein. Alors, les offres de stage. À Marseille. Ah oh Attendez, non, j'ai pas, j'ai pas fait entrer, c'est pour ça. Les offres de stage à Marseille... Ah <laughs> Ah Ah oh, putain Ah c'est pas, ah, c'est pas de chance Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà Donc pour les 800 000 habitants de Marseille, euh, tu as 8 offres de stage. <laughs> Alors, combien de lycées à Marseille Je sais, je sais pas, vous avez raison, effectivement. Euh, nombre de lycéens, nombre de lycées, on va faire Marseille. Alors, combien de lycées Il n'y a pas de S à Marseille. Hop, combien de lycées à Marseille Ah, ah oui, alors, donc, euh, donc tu as 85 lycées à Marseille. <laughs> tu as 85 lycées à Marseille qui vont devoir se partager 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 offres de stage. Ah ah, c'est… c'est… ah, c'est pas… c'est… c'est <laughs> pas de chance. <laughs> c'est pas de chance. Une offre pour 10 lycées. Aïe, aïe, aïe. Coup dur, coup dur. J'avais cherché Bordeaux tout à l'heure. J'avais cherché Bordeaux. Regardons Bordeaux. Voilà, Bordeaux. Alors, Bordeaux, une ville quand même un peu plus bourgeoise. Euh, voilà, on est sur 10 km autour de Bordeaux. Ah, coup dur, coup dur. Alors, on va les compter. 1, 2, 3… 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Voilà. Donc pour tout Bordeaux, on a 28 offres de stage, bien sûr. <laughs> voilà. Hein. 28 offres de stage à Bordeaux. Euh, et alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ça Vous avez raison. Du 17 juin au 21 juin. Mais pourquoi c'est des stages de 4 jours Du 17 juin au 21 juin. Qu'est-ce que c'est que ça Du 17 juin au 28 juin. Mais pourquoi c'est des stages de 4 jours C'est n'importe quoi. Il faut. Mais attendez, vous avez raison. Du 17 au 21 juin. Mais... Attendez, je comprends pas. Du 17... Pourquoi est-ce que tous les stages sont du 17 au 21 juin C'est quoi ce bazar Attendez. Euh, Clic pour savoir combien ils recrutent. Ah oui, vous avez raison. Non mais après, tu vois, je, je pense pas que... Ah 20 places. Ok, autant pour moi. Vous avez raison. Vous avez raison. Autant pour moi. C'est un stage collectif. 20 places. Ah c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Autant pour moi. Autant pour moi. Autant pour moi. Mais 17 au 21, ça fait une semaine. Mais il faut pas faire deux semaines. Ça fait cinq jours. Mais... Mais alors attendez, eux ils recrutent 20 places, vous avez raison, vous avez raison, il faut, il faut, il faut cliquer, là c'est ce que je viens de cliquer, voilà, stage 20 places, il faut, il faut leur rendre grâce bien sûr, tiens ça c'est combien Une place, ah voilà <laughs> Voilà, quand même, quand même, et effectivement Bruges, non mais Bruges ça doit être à côté de Bordeaux j'imagine, euh, Bruges ça doit être à côté de Bordeaux, ça doit être une petite ville à côté de Bordeaux, c'est pas Bruges... Euh j'ai vu qu'il y avait Mérignac, par exemple. Mérignac, ça, c'est à côté de Bordeaux, je sais. Deux places. Bon, alors, effectivement, il faudrait regarder stage après, après stage, combien de places on a. Mais, bon, vous voyez que c'est quand même souvent une place, quoi. Donc, euh, ce stage, bruche c'est dans... Euh, Bruges, c'est près de Mérignac. Ok. Voilà, c'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait. L'Ormont, euh, combien Une place, vous voyez Bon. Euh, ouais, c'est pas... Alors... Saint-Étienne, vous avez raison, on va regarder, pourquoi pas, à Saint-Étienne. Alors, Saint-Étienne. Euh... J'aurais pas dû mettre... Jeu... Saint-Étienne, voilà. Hop, là. Alors, Saint-Étienne, recherchez. Recherchez à Saint-Étienne, combien, combien, effectivement. Ah! <laughs> <laughs> La vache, à <laughs> Saint-Étienne. Attendez, attendez, on va cliquer dessus. C'est ton jamais. Ah bah non. <laughs> non, ah bah non, désolé. Une place. Pardon. Pardon. Alors Saint-Étienne, battez-vous. <laughs> Battle Royale. Hein. Battle Royale à Saint-Étienne. On va jouer ça à Fortnite, évidemment. <laughs> Et Lyon. Alors, Lyon, on va regarder. Lyon, il y a moyen qu'il y en ait un peu plus, quand même. Mais Saint-Etienne, c'est coup dur. Alors, Lyon. Sachant qu'on parle de lycéens, les amis. Hein, on parle de lycéens, on parle pas de gens qui sont motorisés, tu vois. Euh, parce que vous avez... ne me dites pas, ouais, mais ceux qui sont à Saint-Etienne, ils peuvent aller à Lyon. Pourquoi est-ce que Lyon, déjà Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que Lyon, il ne me le trouve pas Attendez. Saint-Etienne du Rouvray, non Mais moi, je veux Lyon. Ah, il, il veut une majuscule Ah oui, il voulait une majuscule. Il ne s'est pas senti respecté. Il ne s'est pas senti respecté. Alors, Lyon, Lyon, il doit y en avoir pas mal. Voilà, Lyon... Ah, non <laughs> Lyon... Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bien sûr, hein, bien sûr. Bien sûr, 14 offres pour Lyon. Euh, voilà. Ah, 20 places. Il y a quand même des trucs collectifs de 20 places, quand même, il faut le dire, il faut le dire. Ah, mais c'est parce que c'est à l'Epitech Digital School. Ok, donc ça, c'est... En fait, il y a 20 places quand c'est Epitech, mais là... J'imagine que ça doit être quoi Voilà, deux places. Voilà, on est à Lyon, hein. T'as 17 offres. <laughs> voilà. Euh, Nantes, c'était une exception. Voilà, une place. Ah, voilà, très bien. Mais Nantes, c'est même pas une exception, parce qu'en fait, Nantes, c'est juste que le rectorat de Nantes, ils ont joué le jeu à fond et ils ont dit à tous leur, euh, leurs écoles accueillir des, des gamins pour, pour booster la plateforme Un jeune, une solution. Hein. C'est juste ce qui s'est passé. Euh, NJ, euh, deux places. Voilà, donc pour tout Lyon, on a, on a certes euh, Epitech qui offre 20 places, mais euh, les autres, euh, voilà, Hospice Civil de Lyon, tiens, il y a, y a peut-être quelques, peut quelques places. Ah non, une place. <laughs> voilà, voilà. Notez qu'à chaque fois, c'est des stages d'une semaine, hein. c'est pas du tout des stages de deux semaines, contrairement à ce qui était euh, exigé par le gouvernement. Alors attendez, vous m'avez dit Strasbourg. Strasbourg. Euh, voilà, Strasbourg se sent pas respectée parce qu'elle a pas sa majuscule. Enfin le site est quand même codé avec les pieds. Hein. C'est quand même hallucinant. Si tu mets pas la majuscule, tu ne trouves pas le truc. Alors, ah ouais, ah, et coup dur, coup dur, coup dur. Alors, Université de Strasbourg, il doit y avoir une vingtaine de places, j'imagine. On commence à... Voilà, 40 places, donc on commence à capter le... On commence bien sûr à capter le bail. Mais par contre, ça, ça doit être une, j'imagine. Euh, Institut de la langue espagnole. Ouais, ça, il doit y en avoir plusieurs aussi. Alors, attendez. Hop, euh, voilà, deux places. Bon, bref. Bref. À Saint-Brieuc, il y a deux offres. <laughs> Attendez. Saint-Brieuc, une ville pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Hein. Ville de Bretagne. Saint-Brieuc, ville de Bretagne. Hop. Non, il y a un C à la fin de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, ville pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Ah, pourquoi il n'est pas content Putain, c'est pas vrai. Alors, Saint-Brieuc en Bretagne. Quel enfer cette ville? Bah Saint-Brieuc. Saint brieuc Saint-Brieuc, euh, Saint en fait, le... le... Moi j'allais à Saint-Brieuc avec mes parents en vacances il y a euh, du coup euh, 30 ans. <laughs> j'allais à Saint-Brieuc en vacances avec mes parents il y a 30 ans. Et Saint-Brieuc, c'est un peu là la... Dans le. Ah putain, comment, comment ça s'appelle ce, ce département breton? Euh, c'est le... Attendez, aidez-moi, le département de Saint-Brieuc, c'est quoi? Euh, les Côtes d'Armor, voilà. Dans les Côtes d'Armor, merci. Dans les Côtes d'Armor, Saint-Brieuc, c'était un peu la ville commerçante, tu vois. Euh, C'est la, la ville où t'allais pour faire tes courses, pour te fringuer. C'était la, la ville avec un centre-ville très commerçant, très dynamique. Et c'était cool, tu vois. Et je suis retourné à Saint-Brieuc euh, il y a une, une petite dizaine d'années. Et le centre-ville, déserté, quoi. Vraiment, le centre-ville, mais euh, complètement déserté. Les... les euh, les rues commerçantes avec la moitié des, enfin une bonne partie des, des, des commerces qu'on fermait, ville à moitié fantôme, très triste quoi, très très triste et vraiment beaucoup de tristesse pour Saint-Brieuc. Enfin là là tu, tu te prends de plein fouet à Saint-Brieuc, tu te prends de plein fouet à la désertification des centres-villes euh, parce que parce que les zones les zones d'achalandage, enfin pas d'achalandage n'importe quoi les zones marchandes euh, sont en périphérie dans des super euh, dans des super complexes euh, dans des super complexes marchands quoi commerçants enfin pas marchands commerçants et donc euh, ultra triste quoi c'est pas à cause des maisons secondaires je pense pas je pense que c'est vraiment il y a peut-être un effet Airbnb maisons secondaires peut-être mais euh, mais euh, par contre c'est vraiment le, le... c'est la, la ville donuts quoi hein, les c'est les centres commerciaux autour le règne de la bagnole c'est ça c'est les centres commerciaux autour où tu as euh, un, un euh, t'as un, un énorme Leclerc euh, et, ou un énorme Auchan, et puis à côté, tu vas avoir euh, potentiellement un Ikea ou un, ou un habitat, euh, un truc de bricolage, un machin pour acheter tes plantes, euh, un énorme jouet club, enfin vous connaissez quoi hein, ces, ces énormes zones commerçantes autour des villes. Et, euh, et en fait, ça a complètement, ça a complètement euh, euh, asséché. Le, 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 les quartiers commerçants des centres-villes et à Saint-Brieuc vraiment tu te le prends fin, ça fait bizarre hein, de, ça, franchement ça fait vraiment bizarre d'avoir vu en plus moi je me suis pris le changement j'y étais pas allé pendant 20 ans et en 20 ans tu vois la, la différence ça, ça fait très très bizarre c'est une très grande tristesse quoi et même d'ailleurs en 20 ans à, au centre de Saint-Brieuc il y a une grande euh, galerie commerçante qui a ouvert une galerie couverte euh, qui reste, elle, à peu près dynamique et qui, en fait, draine la zone marchande. Et en fait, c'est terrible, c'est-à-dire que Saint-Brieuc, tu avais une très grande rue commerçante avec plein de commerces, plein de, plein de restos, des trucs de fringues. Tu avais, avais même à Saint-Brieuc, je me souviens, un magasin d'instruments de, de musique. Euh, donc, c'était super, c'était chouette, quoi. Et en fait, euh, tout, a été, tout a été asséché, soit par la, la galerie commerçante au, du centre-ville, soit par ces, 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 ces méga, méga complexes euh, commerçants autour. Donc c'est très triste quoi. Et donc à Saint-Brieuc, sachez que si vous êtes si vous êtes lycéen ou lycéenne à Saint-Brieuc, eh bien vous pouvez effectivement <laughs> apprendre à confectionner. Alors, vous... <laughs> c'est génial, c'est quand même génial. Sachez que vous pouvez travailler chez Domino's Pizza. Chez Domino's Pizza, vous n'apprendrez pas à cuisiner des pizzas, vous apprendrez à les confectionner. <laughs> Chez Dominos Pizza, tu ne, tu ne cuisines pas des pizzas, tu les confectionnes. <laughs> Même à Paris, il n'y a que quatre pages. Putain, c'est dingo quoi. Et puis tu fais de l'accueil clientèle, vous pouvez travailler gratuitement. Ah bah oui. Alors attendez, c'est quoi l'autre stage Parce que soit tu, soit tu confectionnes de la pizza. Est-ce que certains parmi vous sont confectionneurs de pizza <laughs> Regarde Montélimar. Ouais, mais attendez. Équipier polyvalent chez NB1. Qu'est-ce que c'est que cette chose Déjà, c'est pas à Saint-Brieuc, c'est à Ploufragan. Ah Ah bah voilà, ah bah voilà, alors... <laughs> alors, soit vous faites de la... Alors, alors Saint-Brieuc, c'est vraiment... Euh... <laughs> À Saint-Brieuc, tu as vraiment le, le choix dans la date, hein, comme on dit. Euh, tu peux soit faire de la confection de pizza chez Domino's Pizza, soit tu peux aller travailler euh, comme équipier polyvalent chez NB1. Ah, mais non, c'est Domino's Pizza aussi Ah, bah non, bah pardon, j'ai rien dit. Alors, il y a Domino's Pizza qui permet à, à deux lycéens ou lycéennes d'apprendre la confection de pizza <laughs> à Saint-Brieuc. Euh, Qu'est-ce qui se passe Il y a un raid d'arrêt sur image incroyable Eh bien, bienvenue aux Raiders et Raideuses Merci beaucoup, bienvenue. Merci Arrêt sur Image, c'est fort, fort gentil. Je sais, que, je sais que vous étiez en train manifestement de regarder euh, l'audition de euh, mon ami euh, et collègue Yann Barthès sur, euh, à la commission d'enquête euh, TNT, euh, rediffusée en direct sur LCP. Je sais que vous étiez en train de, de regarder cela. Eh bien, bienvenue. Attendez, on passe en plein écran quand même pour vous accueillir. Hop là, bienvenue aux Raiders et Raideuses. Euh, « Faut que tu ailles sur Arrêt sur Image, Clément. » Bah, je sais pas, oui, euh, il faut... Pourquoi « Est-ce que Arrêt sur Image propose un stage de seconde ?» Attention, hein, important euh, !« Attends, à quand ton passage ?» Bah, je sais pas, faut m'inviter, et puis faut, faut surtout que j'ai un truc... Euh, faut surtout qu'il y, euh, qu y ait un truc... faut. voyez, faut qu'il y ait l'occasion, quoi. Je vais pas passer dire bonjour, ça n'aurait aucun sens. « Est-ce que Arrêt sur Image fait des pizzas ?» Voilà, c'est la question. En tout cas, merci beaucoup. Merci, euh, chers amis d'Arrêt sur Image. Pour ce raid, il paraît que assis veulent t'inviter... Ah bah écoutez, moi je suis pas au courant. Donc... <laughs> s'ils veulent m'inviter, c'est très bien, mais s'ils mais euh, mais me le disent pas, on peut pas en discuter, tu vois. <laughs> c'est la seule difficulté. Euh... Merci, merci beaucoup pour le raid, c'est très gentil. J'espère que c'était bien l'audition le, 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 de, de Yann barthes que vous avez appris plein de choses. On ne l'a pas regardé ici. Hein. Je le, Il te kiffe grave. Eh bien, écoutez, j'en suis tout à fait euh, enchanté, bien sûr. Mais j'ai fait Arrêt sur image, déjà, il y a bien longtemps. Euh, une émission d'Arrêt sur image avec Usul. Sacré, sacré souvenir, sacré souvenir. Euh, alors, on... bienvenue. Alors ici, on est en train d'explorer... Alors là, là, vous arrivez dans un moment passionnant du, du, de ce stream. <laughs> le mec se jette des fleurs. Voilà, déjà déjà très bien. Très bien, les amis. Je, je le dis pour Arrêt sur image, je le dis aussi pour, pour les, les roublards et roublards. Évidemment, Arrêt sur image, n'hésitez pas à vous abonner, à follow cette chaîne. Euh, voilà, ça fait toujours plaisir, ça fait, les, ça fait monter les compteurs. En plus, on essaye sur Twitch de ne pas se faire distancier, sachez-le, par la chaîne YouTube de Replay. Hein, parce que là on est sur Twitch, vous voyez Et donc sur Twitch, on essaye de ne pas se faire distancier par la chaîne YouTube de replay qui cavale. Euh, qui en est déjà à 62 000 followers, bientôt plus de followers sur YouTube que sur Twitch. C'est pas possible Roublard, Roublard, qu'est-ce que vous faites Arrête sur image sien. as Ascien, asienne Aidez-nous, followez cette, cette chaîne pour, pour, euh, voilà, pour qu'on ne fa se fasse pas dépasser par YouTube. Euh, évidemment, ma chaîne YouTube. <laughs> oh ça va Écoutez... Ça, euh, ça, ça, ça s'appelle évidemment. Euh, comment ça s'appelle ça un nom en économie. Tu sais, quand tu euh quand tu euh, ça, ça, voilà ça s'appelle segmenter le marché voyez je crée de la je, je crée de la concurrence entre des boîtes que je possède <laughs> que je possède chacune mais je crée de la concurrence entre twitch et, et youtube sachant que euh, qui que ce soit qui gagne à la fin c'est moi qui gagne c'est pas mal la segmentation de marché ça c'est hein, hein, faut. il pas la... ouais, Asiens et asiennes, pensez-y pour pour <laughs> pour votre chaîne youtube je vous donne des petits tips bien alors donc on était en train D'explorer la plateforme Un jeune, une solution, car sachez-le, euh, sous l'impulsion du euh, ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, devenu Premier ministre, qui répondait à une injonction du président de la République, Emmanuel Macron, sachez-le, les lycéens et lycéennes de seconde doivent dès cette année faire un stage obligatoire à la fin de l'année. Et évidemment, euh, certaines voix inquiètes et malicieuses en même temps, mais inquiètes malgré tout, s'étaient euh, faites entendre à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'était novembre dernier, en disant, mais attendez, euh, attendez, vous êtes gentil, mais euh, les, les élèves des quartiers, euh, c'est quoi la différence avec le stage de troisième C'est que celui-là, il est plus long. Le stage de troisième, c'est quelques jours. Je crois que ça doit être trois jours, un truc comme ça. Alors que là, on est sur un... Et je ne suis pas sûr qu'il soit obligatoire. Alors que là, on est sur un stage obligatoire de deux semaines. Donc attention, attention. Stage obligatoire de deux semaines. Euh, donc... Euh, Quelque chose, quelque chose de... Vous de, voyez, de, 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 de conséquent. Bon. Et donc, pas mal. Euh, le stage de troisième, il est obligatoire maintenant Ok. Ah, c'est une semaine le stage de troisième. Une semaine obligatoire Très bien. Très bien, très bien. c'était pas une semaine avant. Une semaine obligatoire pour les troisièmes. Ah, et ça a changé. Moi, à, à, époque, à mon époque, c'était genre trois jours pas obligatoire. Mais euh, en troisième, c'est de l'obligation. C'est de l'observation. Là, il travaille. Ah, très intéressant. Très intéressant. Euh, je regarde alors, j'avais pas compris qu'on ne critiquait que la partie stage de seconde. là, on parle que du stage de seconde. alors, le stage de troisième, écoutez, le stage de troisième, je ne sais pas où on en est. je ne sais pas où on en est. Euh, mais là, ce qui est sûr, c'est que c'est un stage euh, individuel de deux semaines. en entreprise, enfin, pas forcément en entreprise, en milieu professionnel, euh, et euh, qui a été introduit, euh, qui a été introduit euh, là maintenant, là, euh, par Gabriel Attal, et donc des voix s'étaient euh, élevées pour dire, mais euh, comment va-t-on faire Comment va-t-on faire euh, Ça fait quand même euh, 500 000 euh, lycéens et lycéennes à recaser, hein. 500 000, attention. J'avais fait mon stage de troisième chez Player One, et eh ben Shaya, je suis euh, jaloux. Player One, meilleur canard de jeux vidéo de l'époque, hein. c'était incroyable. Euh... Grosse, grosse jalousie. Tu as dû croiser Crevette, évidemment, Cyril De Revet, qu'on embrasse, euh, qui est télévisateur 2 derrière, à la nostalgie. Tant de tant de choses. Bon, donc, euh, 500 000 élèves de seconde à caser en stage pendant deux semaines. Pas fastoche, n'est-ce pas Pas fastoche. Mais le gouvernement dit vous inquiétez pas, pour les élèves qui ont du mal à trouver un stage parce que euh, malheureusement, euh, ils, ils ne sont pas insérés, enfin, leurs parents. Euh, ne N'ont pas un réseau suffisant pour euh, leur permettre d'en de de leur, leur bénéficier. voilà Leurs, leurs parents ne peuvent pas leur en trouver un, tout simplement. Donc, pour les élèves qui ont du mal à trouver un stage, on va mettre en ligne la plateforme Un jeune, une solution, avec euh, un grand nombre d'offres de stage. Et le gouvernement avait annoncé 200 000 stages déjà disponibles. Et donc là, on la plateforme a été mise en ligne avant-hier. Donc là, on est en train de l'explorer, n'est-ce pas On est en train de l'explorer. Et donc là, euh, comme on est un peu taquin, on a regardé si on habite à Saint-Brieuc, par exemple, euh, combien y a-t-il de stages Ah <laughs> Voilà. Donc il y en a deux, euh, <laughs> n'est-ce pas Il y en a deux. Alors le premier, c'est chez euh, Domino's Pizza, n'est-ce pas hein Chez Domino's Pizza, donc sachez. Que. Ah, euh, d'ailleurs, non, c'est bien deux semaines. Hein, c'est bien deux semaines. Sachez que euh, si vous êtes à Saint-Brieuc, lycéen, lycéenne, alors attention, il n'y a qu'une place, hein, et que vous voulez apprendre à confectionner des pizzas, eh bien, vous pouvez aller chez Domino's Pizza Saint-Brieuc. Vous aurez un stage pour apprendre à confectionner des pizzas et travailler, bien sûr, gratuitement. Bon, si vous voulez pas confectionner des pizzas, ça peut se comprendre. Heureusement, il y a un, un autre stage disponible chez NB1. Bon, vous pouvez faire celui-là. Alors attention, il n'y a qu'une seule place de disponible, par contre. Donc, euh, bon, voilà. Euh, ah, euh, <laughs> ah, bah pas de peau. <laughs> c'est aussi pour de la confection de pizza, Voilà. Donc euh, écoutez, ben euh, si vous êtes un lycéen ou lycéenne à Saint-Brieuc, ben, vous pouvez apprendre à confectionner des pizzas. Ou sinon, vous pouvez, euh, je sais pas, euh, <laughs> je sais pas, euh, je sais pas ce que vous pouvez faire. Vous pouvez aller vous, vous faire foutre. Manifestement, <laughs> c'est ce, ce que dit la plateforme, hein. sachant que bien sûr, euh, nous sommes en mars et c'est pour juin prochain. Euh, voilà, sinon c'est le SNU ah, Sinon c'est le SNU Mais est-ce que, est que aujourd'hui Le SNU est capable d'encaisser euh, Du jour au lendemain comme ça Plusieurs centaines de milliers de jeunes Qui viennent faire un stage au SNU Là maintenant tout de suite c'est même pas sûr hein. C'est même pas sûr Même pas de stage de crêpe à Saint-Brieuc, n'importe quoi Vous avez vu c'est n'importe quoi euh, Et même, même le SNU euh, C'est euh, C'est euh, on est plutôt sur 10 000 jeunes, 0,1 solution. <laughs> même le SNU, Saint-Brieuc, capitale française de la pizza fabriquée gratuitement par des lycéens. <laughs> formidable, quand même. Même le SNU, hein, est-ce que, est que le, le, le Service national universel aura de quoi encaisser euh, plusieurs dizaines ou centaines de milliers de jeunes de seconde qui, du coup, vont devoir faire euh, le SNU dès maintenant, dans quelques mois, là, maintenant, là, dans quelques mois euh, pour pour est-ce que est-ce que le SNU aura moyen d'encaisser ça c'est c'est sûr que non en réalité hein. c'est même pas que c'est pas sûr c'est que c'est sûr que non hein. euh, oups cela donc voilà tout est parti de ce thread de euh, Servane Marzin, qui est une une professeure d'histoire géographie docteur en histoire euh, et qui a fait ce qui a fait ce thread et qui euh, acceptait enfin qui pointait elle-même euh, qui elle-même ce que l'on a vu là hein, c'est que il n'y a absolument pas de stage disponible comment un tel fiasco n'a-t-il pas été anticipé? comment madame Belloubet peut-elle encore déclarer le 22 mars les frontières s'estompent entre deux mondes, la scolarité ne doit pas être une parenthèse dans la vie d'un jeune? alors attendez. voilà bon elle est elle est elle est, elle est, elle est un peu salée hein. et à la fin à raison hein, à juste titre hein, bien sûr. Hein. et à la fin le crash, le four, le raté, la loose, le fiasco, l'accident industriel et les familles sans info et les profs dans l'attente et l'institution dans le flou et le pognon dépensé pour rien et nos élèves sans infirmière, sans enseignante, le SNU a fait le plein. Et même cette conclusion-là n'est pas sûre, hein, encore une fois, moi je j'aimais J'émets réellement des doutes sur la capacité euh, aujourd'hui du service national universel. Après, j'en sais rien. Je, C'est vraiment juste... Je, je vous fais part de mes doutes personnels, j'ai pas d'informations. Mais euh, j'émets des doutes sur la capacité du SNU à encaisser comme ça un afflux de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de jeunes, euh, sachant qu'on n'est pas du tout, du tout dans les clous encore pour la généralisation. Hein. Pas du tout. Euh, donc, euh, euh, on a là... La méthode, la méthode du gouvernement, je, 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 dis, sur, je dis souvent que le, la communication de ce gouvernement, c'est l'art de ne pas dire ce qu'ils font réellement et l'art de ne pas faire ce qu'ils disent. Et en l'occurrence, on voit bien là, à nouveau, hein, c'est une nouvelle fois euh, un clivage manifeste. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique. On a souligné quantité d'exemples sur ce, sur ce stream euh, d'un effet d'annonce. Euh, un effet d'annonce en plus qui peut paraître sympathique. Hein. tous les jeunes de seconde vont faire un stage en milieu professionnel. Euh, et euh, celles et ceux qui ne trouvent pas de stage, eh bien, nous allons les aider à en trouver un hein, via notre plateforme un jeune une solution. bon, pourquoi pas? on peut. on peut, on peut, se, on peut se dire que pour euh, des jeunes dont les parents sont euh, très éloignés de l'emploi, ça peut leur, euh, ça peut leur, leur, leur montrer un un univers qu'ils ne connaissent pas par les yeux de leurs parents. Euh, ça peut éventuellement aussi, euh, surtout, en fait, c'est pas ça, c'est si tu si les stages te permettent effecti effectivement d'aller observer un, un métier euh, qui est loin de ton univers, mais qui peut te donner, qui peut te, te faire briller les yeux, te donner envie de, de t'investir, bah, c'est très bien, en fait, à la limite, pourquoi pas Tu vois, tu es un jeune, tu te dis, tiens, je ne sais pas, le monde de la communication, ça m'intéresse, on te trouve un stage en agence, c'est super, tu vois, pourquoi pas ou dans, dans le service communication d'une grande entreprise. Enfin, tu vois, ça, ça peut avoir des vertus. Ça peut avoir des vertus. Encore faut-il que euh, la mise en œuvre soit au rendez-vous. Et là, on voit que la mise en œuvre, c'est effectivement une vaste blague. Et à ce titre, à ce titre, puisque euh, j'ai ce défaut d'être un peu taquin, il me semble me souvenir. Quand je dis il me semble, c'est je suis absolument sûr et certain. Euh, je cherche, hein, je cherche. Alors, il me semble me souvenir que hier. Alors attendez, parce que... <laughs> attendez. Quitte à, être, quitte à être taquin, on va être taquin. Voilà, c'est ça. Bougez pas. Bougez pas, hein. deux secondes. J'arrive. Ah putain, par contre, ils, sont, ils se font chier. C'est pas grave, on va l'écouter in extenso. Euh... Voilà. Il me semble me souvenir... Attendez, on va aller directement chercher ici, ça va être plus simple. Toc. Vidéo. Alors, j'arrive, hein, j'arrive. Hein. Alors, où, où c'est où c'est euh... J'aurais dû... Non, 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 c'est chiant. Euh... J'arrive. Hein. Ah, voilà. Voilà. Alors, ça tombe bien. Ça tombe bien car, au hasard, au hasard du calendrier, regardez, Nicole Belloubet, la ministre de l'éducation, était hier sur France Inter. Oh, alors, je serais curieux de savoir, mais ça c'est parce que je suis un peu taquin, ça, ça, qu'est-ce que vous voulez Ça, ça, euh... attendez, attendez. Euh, oui c'est bon, j'ai le droit de faire ça, <coughs> j'ai mon casque trop fort, je suis en train de décéder. Attendez, je vais... J'avais diminué à 90%. Euh, 93... Allez, 93%, très bien, très bien. Saint-Denis%, c'est parfait. C'est parfait. Hop, Mike. Je sauvegarde. Allez. Merde, j'ai fait de la merde. Euh, cancel. Bon, bref, on, je vais éviter de tout dérégler. Voilà. Très bien. Donc, euh, bien sûr, on va écouter ce que Nicole Belloubet euh, nous dit. Euh, hier matin euh, voilà on ne sait pas on ne sait pas peut-être va-t-elle parler de la plateforme un jeune une solution peut-être qui sait on écoute la ministre de l'éducation nationale voilà on écoute la ministre de l'éducation nationale hier matin à 7h50 sur France Inter Ah vous entendez pas ça arrive ça arrive votre Invité ce matin, de Sonia De Villers Bonjour Nicole Belloubet Bonjour. Des milliers d'élèves, de profs et de parents qui sont témoins de messages terrifiants, de menaces, d'attentats par l'entremise de ce qu'on appelle les espaces numériques de travail qu'ils se partagent Encore des dizaines de lycées évacués hier matin dans l'Est, juste après les Hauts-de-France Manifestement, ça ne s'arrête pas euh, Qu'avez-vous mis en place pour euh, endiguer alors ce phénomène. Évidemment, c'est extrêmement choquant. Je comprends que certains élèves ou leurs parents soient très bouleversés par ce qu'ils peuvent voir sur, ces, sur certaines vidéos qui sont liées à, à ces événements. Euh, nous avons mis en place d'abord la mise en sécurité des personnes et euh, des élèves, des personnels et des élèves. Alors, il y a des levées de doutes. C'est pour cela que certains établissements euh, ont commencé. On peut monter à... le volume. C'est là qu'elles parle pas. Ensuite, nous avons euh, suspendu les messageries de l'espace numérique de travail, puisque pour. Euh, vos auditeurs, en fait, ce qui pose problème, ce sont ces espaces numériques de travail dont certains comptent. Ceux que les élèves et leurs parents peuvent consulter, sur lesquels il y a leurs notes, sur lesquels mm -hmm. il y a les échanges avec les professeurs, certains comptes ont été piratés. Ah, c'est partir... du piratage de certains comptes, c'est du piratage, du piratage individuel. de certains pas comptes. Compte. pas tout le système qui le a été pénétré. Ce n'est pas le système entier qui est pénétré. C'est la raison pour laquelle donc nous on est avons sur une autre question du là. La messagerie, qui ouais. est l'un des éléments de ces espaces numériques de travail, lorsqu'ils sont attaqués, nous recherchons, nous identifions les comptes qui ont été piratés et nous allons procéder ensuite à leur réinitialisation. Donc un... Bon, ce que dit ici Nicole Belloubet, il n'y a, a pas lieu de s'arrêter trop, trop, trop intensément. Hein. Elle explique. Ex... D'ailleurs, je découvre ce, cette thématique que, à côté de laquelle j'étais passé. Elle explique que c'est lié à un piratage et qu'ils sont en train de régler la question. Bon. Euh, dont acte, hein, nous verrons bien ce qu'il en est. Un début d'idée de d'où de, ça peut provenir. Non, c'est trop tôt pour que nous soyons sûrs de ce qui se passe. Évidemment, ce euh, sont des, des établissements. Française. Pardon. Ce sont des attaques françaises. Je ne peux pas vous répondre. Mm -hmm. Nous n'avons pas d'indications selon lesquelles ce seraient des attaques autres que françaises. Le parquet évidemment a été saisi. Une enquête est en cours sur chacun de ces phénomènes. Et je voudrais ici dire d'ailleurs que lorsque les auteurs seront connus, les sanctions. C'est le phénomène de l'art terroriste. Non. Oui, exactement. Sont très lourdes. Cela peut aller jusqu'à des peines de prison. Et il y a déjà eu des situations dans des fausses alertes à la bombe où euh, il y a eu des peines de prison qui ont été prononcées. Donc il n'y aura pas d'impunité parce que, évidemment, le trouble qui est créé n'est pas du tout propice aux apprentissages. Alors il y a le trouble, hein, puisque ça a commencé dès la semaine dernière, mais entre-temps, il y a un attentat majeur qui a été perpétré en Russie, un plan Vigipirate en France qui a été relevé au niveau euh, urgence attentat. Oui. Vous comprenez que ça puisse créer un, un climat assez anxiogène oui, pour les a, familles Oui, bien sûr. Je comprends parfaitement ce climat. C'est la raison pour laquelle. Dans le cadre du plan d'urgence Attentat, l'opération Sentinelle nous permet de mieux sécuriser encore les abords des établissements scolaires. Nous faisons absolument tout pour que les parents, et les élèves puissent travailler dans des les parents soient rassurés et les élèves puissent travailler dans des conditions sereines. Alors, Nicole Belloubet, parlons des groupes de niveau. Voilà, là ça devient plus intéressant. Donc, les groupes de niveau qui étaient la grande réforme annoncée par euh, Gabriel Attal. Et on sait qu'il y a un clivage entre euh, Nicole Belloubet et euh, Gabriel Attal. Euh, Nicole Belloubet parle de groupes de besoins, beaucoup plus que de groupes de niveaux. Euh, elle explique qu'elle ne veut pas faire du tri social entre élèves, ce qui est effectivement la critique qu'on peut porter au groupes de niveaux. Hein. Qu'est-ce que ça crée des groupes de niveaux Ce que ça crée, c'est tout simplement que les meilleurs euh, sont rassemblés entre meilleurs et donc deviennent encore meilleurs, et les moins bons sont rassemblés entre moins bons et deux, eux, deviennent encore moins bons donc euh, toutes les recherches en sciences de l'éducation confirment que les classes de niveau sont euh, tout à fait délétères pour euh, en tout cas euh, creusent les inégalités entre élèves et donc ne sont rien d'autre qu'un renforcement encore euh, de la reproduction sociale et euh, perpétrée par, par l'école hélas aujourd'hui puisque de fait l'école est une institution de la reproduction sociale euh, alors qu'elle devrait permettre le nivellement des niveaux et l'égalité des chances. Euh... Oui, voilà, tout à fait. Donc euh, donc euh, voilà voilà où nous en étions du, du débat, et euh, clairement, il y avait une opposition sur ce point entre Nicole Belloubet, qui elle a plutôt l'air de, de suivre les recommandations des, des spécialistes en sciences de l'éducation, qui disent, mais c'est n'est pas une bonne idée, enfin, que vous rassembliez euh, sur un temps court, exceptionnel, les élèves par besoin pour, pour aider ceux qui ont des difficultés scolaires à faire du rattrapage, pourquoi pas mais par contre, faire des groupes de niveaux qui sont... Euh, euh, enfin, euh, comment euh, Faire des, des mathématiques et du français, voilà, faire des mathématiques et du français, euh, des enseignements qui sont structurellement enseignés par groupe de niveau en sixième et en cinquième, tout ce que euh, vous allez faire, c'est creuser les inégalités. Nicole Belloubet avait l'air d'être plutôt euh, attentive à cela. Et donc, parler de groupes de besoins, euh, Gabriel Attal, lui, n'a cessé de la contredire en disant non, non, non c'est bien des groupes de niveaux ». Euh, oui, la norme, ce sera les groupes de niveau et les classes entières, l'exception. Et euh, Gabriel Attal a insisté pour que dans le décret qui est déjà paru, euh, il y ait la mention de 10 semaines maximum par an en classe entière. Donc on sait que ces fameux groupes de niveau ou de besoin euh, seront euh, la norme et le rassemblement en classe entière, l'exception. Euh, voyons ce qu'en dit aujourd'hui Nicole Belloubet qui ont fait couler tant d'encre qui ont été voulus par Gabriel Attal. Les textes concernant euh, cette nouvelle organisation sont désormais parus, oui. parus. Vous avez assoupli le dispositif en garantissant que les élèves passeraient un tiers de l'année en classe entière, c'est-à-dire tous ensemble. Dix semaines, c'est pas un tiers de l'année. T'as pas 30 semaines dans l'année scolaire. Ah, tu as peut-être 30 semaines dans l'année scolaire. Mais le problème semble demeurer entier auprès des enseignants. Regardez le préavis de grève okay, okay, 36 semaines, okay. de la semaine prochaine déposé par le SNES. Il martèle nous ne trierons pas nos élèves. Que répondez-vous tri... ah oui, à ces professeurs qui, oui. qui ne veulent pas trier leurs oui, élèves, qui s'y refusent. Je, je réponds qu'il n'y a pas de tri d'élèves. Justement, c'est ce que nous n'avons pas voulu. Si vous voulez, c'est très simple. Ce que nous disons, c'est on veut améliorer les résultats de nos élèves en français et en maths, qui sont les deux apprentissages fondamentaux. Ouais. Pour cela, comment faire mieux que de travailler en groupe euh, pour permettre une écriture Ça, c'est quand même génial. Comment faire mieux que de travailler en groupe euh, C'est évidemment, alors c'est une question rhétorique. Hein. Comment faire mieux que de travailler en groupe Et en l'occurrence, c'est une question rhétorique qui permet de soulever l'évidence et le bon sens. Hein. Bah, comment faire mieux que de travailler en groupe T'as une meilleure solution, toi tu vois et <laughs> Alors que la, la, la recherche en sciences de l'éducation montre précisément que ça n'est pas la meilleure solution et que c'est une solution qui, effectivement, euh, favorise les plus favorisés. Attendez, il faut que je me mouche j'arrive. Pardon. Euh, que c'est une solution qui favorise les plus favorisés, mais que euh, ceux qui sont précisément en difficulté se retrouvent entre élèves en difficulté, et ça crée de la stigmatisation, ça crée, euh, ça incorpore le sentiment que tu fais partie des plus mauvais, et euh, ça ne favorise pas du tout le rattrapage. Ce que montrent les, euh, les études en sciences de l'éducation, c'est que pour favoriser le rattrapage des élèves, il faut garder des groupes hétérogènes, par contre il faut en réduire la taille, ça c'est vrai, c'est-à-dire que si effectivement tu arrives à passer de classe à 30, 35, parfois 40 élèves, si tu arrives à réduire à des classes de 20, voire moins de 20 élèves, bah, en fait les enseignants peuvent consacrer plus de temps à chaque, à, chaque, à chaque élève, et au sein de ces classes moins nombreuses, il faut favoriser le tutorat et l'entraide entre élèves. Voilà. Et ça, c'est ce que c'est ce que montrent les sciences de l'éducation, c'est ce que pointe par exemple Philippe mérieux qui est un, un spécialiste reconnu euh, en pédagogie en France. Et, euh, et ça, ça permet effectivement d'améliorer euh, d'améliorer le niveau le niveau des élèves. C'est ce que dit la science, hein. c'est ce que disent les recherches en sciences de l'éducation. Et donc c'est intéressant là la, la phrase de Nicole beloube qui convoque le bon sens. Mais quoi faire de mieux que des groupes de niveau bah, Plein de trucs en fait, euh... <laughs> en fait Nicole. Pour cela, comment faire mieux que de travailler en groupe euh, pour permettre une acquisition plus ciblée des compétences qui sont exigées Donc ce que nous proposons, c'est qu'en sixième, en cinquième, en maths et en français, nous prenions les élèves en groupe. Mais que ces groupes... Alors ça s'appelle la pédagogie différenciée par ailleurs hein. Ça s'appelle la pédagogie différenciée. Le, la, la pédagogie différenciée, ce qui est très exigeant pour les, pour les enseignants, hein, ça, demande, ça demande beaucoup de travail pour les enseignants et enseignantes qui cherchent à, à déployer ce travail-là. Ce, travail ce qu'on appelle la pédagogie différenciée, c'est précisément le fait d'avoir au sein d'une même classe plusieurs programmes différents qui coexistent, c'est-à-dire les meilleurs, euh, tu leur donnes des exercices qui sont plus durs, qui sont plus nombreux pour les stimuler. Euh, et puis, ceux qui sont plus en difficulté, tu leur donnes des exercices plus à leur niveau pour leur permettre de rattraper les compétences qu'ils n'ont pas encore. Euh, et tu favorises le euh, tutorat euh, entre élèves pour qu'une fois que les élèves euh, qui euh, ont été stimulés avec des, des exercices plus difficiles euh, ont terminé, ils viennent aider euh, leur, euh, leurs camarades qui sont euh, plus en difficulté. Ça, c'est vraiment ce que montrent les, les sciences de, de l'éducation, euh, les groupes de niveau. Les classes de niveau, il y a un consensus scientifique sur le fait que ça ne marche pas, ou plutôt que ça renforce les inégalités et que ça euh, enterre encore plus ceux qui sont euh, déjà euh, en difficulté. Et c'est vrai que là où le gouvernement a jeté le trouble, c'est qu'à l'époque, ils ont dit non, non, mais nous, on fait pas des classes de niveau, on va faire des groupes de niveau. Euh, c'est des groupes où les, euh, les élèves en difficulté seront en groupe moins nombreux. Euh, et euh, il y aura de la mobilité entre groupes. Donc ça, c'est ce qui était euh, c'est ce qui était promis par Gabriel Attal à l'époque. Évidemment, tout le monde a dit mais attendez, dans ce cas-là, il va falloir beaucoup plus d'enseignants. De, Et souvenez-vous à l'époque, euh, je ne sais plus si c'était Gabriel Attal ou Amélie Oudéa-Castéra. Je crois que c'était déjà Amélie Oudéa-Castéra qui avait parlé de euh, 2000 enseignants qui avaient été euh, libérés pour, enfin, euh, 2000 temps complets, 2000 euh, ETP équivalent temps complet, qui avaient été euh, libérés pour pour euh, euh, ces groupes de niveau et renforcer du coup l'enseignement le, pour les, les élèves en les plus en difficulté et on avait rapporté le nombre euh, <laughs> le nombre d'enseignants de, libérés le nombre en temps complet au nombre de lycées enfin euh, de collèges sachant qu'il y a je sais plus euh, attendez je sais plus euh, j'oublie déjà combien il y a de collèges en France hop nombre de collèges en France euh, alors statista, nombre de collèges en France en 2022 il y a, attendez qu'est-ce que c'est que ça, nombre d'établissements en 2022, il y a 5300 collèges, hein, voilà <laughs> donc il y avait 2000 euh, équivalent temps complet pour euh, 5000 300 <laughs> 5300 collèges donc on est sur du euh, un équivalent en temps complet pour trois collèges de libérer le tout pour que tous les élèves de, 5e, euh, et de, fin de 6e et de 5e soient séparés en groupes de niveau euh, voilà comment vous dire que évidemment euh, comme on dit dans le milieu fin de la blague bien sûr hein. donc euh, La mesure, la mesure elle, est, elle est évidemment tout à fait, tout à fait inefficace. Euh, le... le c'était d'ailleurs très agaçant parce qu'en fait, on a été un certain nombre à gueuler. Moi, le premier, hein, j'ai fait une, une chronique France Info à l'époque en disant Mais en fait, ce gouvernement qui se réclame de la science, qui se réclame de la science, souvenez-vous, euh, Jean-Michel Blanquer qui disait Mais moi, je base mes décisions sur la science, sur les études scientifiques, sur les neurosciences. Jean-Michel Blanquer, c'était les neurosciences. Il disait Non, mais moi, je fonde mes décisions sur les neurosciences. Tu vois Et là, quand tu leur dis Ouais, mais les amis, votre mesure, enfin, toutes les sciences de l'éducation vous disent que ça ne marche pas. Eux, ils disent Ouais, mais attendez, est-ce que les sciences de l'éducation ont étudié des groupes de niveau flexible, euh, avec des passerelles de l'un à l'autre et euh, avec des groupes plus petits pour les élèves les plus en difficulté. Et là, on a été forcé de répondre, baf, non, soit, euh, oui, ça, ça n'a pas été étudié en sciences de l'éducation. On sait qu'à chaque fois qu'il y a des classes de niveau, ça ne marche pas. Maintenant, ça, on peut pas dire que ça va pas marcher parce que ça n'a pas été étudié. Bon, fin de la blague, ils ont libéré 2000, euh, 2000 équivalents en temps complet pour euh, 5300 collèges. LOL, la suite. Ne soient pas des groupes qui soient figés toute l'année, c'est-à-dire où il y aurait les plus aisés euh, qui soient toujours dans le même groupe, les moins bons qui soient toujours dans le même groupe. Au contraire, nous donnons des temps pour brasser les groupes en cours d'année, des temps en de classe entière, pour que les, réellement nous puissions découper des séquences pédagogiques qui correspondent aux meilleurs alors approches. Alors, ça, par ailleurs, je n'aimerais pas, euh, <laughs> pas être prof de maths ou de, ou de français euh, euh, en ce moment, parce qu'il y a une vraie question de. Euh, Comment est-ce que ça va s'articuler Parce que, en effet, euh, Megaluigi qui dit l'usine à gaz, euh, comment est-ce que ça va s'articuler C'est-à-dire que tu vas avoir deux tiers de l'année en groupe de niveau et un tiers en classe entière. Mais du coup, qu'est-ce que tu vas faire pendant ta classe entière C'est-à-dire que là, tu auras des élèves qui auront avancé de manière tout à fait. Parce que, tu vois, tu auras des élèves qui auront, qui auront avancé de manière différente. Donc, comment tu vas faire en classe entière Quel sens aura le temps en classe entière. Si, si jamais, si c'était l'inverse, si tu avais deux tiers en classe entière et un tiers, et un tiers en groupe de niveau, là, il y aurait du sens. Là, il y aurait du sens. Tu dirais, bah voilà, on, va, on avance le programme, on fait les enseignements fondamentaux sur les deux tiers de l'année, et puis les exercices, par exemple. Tu les, fais, tu les fais en groupe de niveau, comme ça, les meilleurs, tu leur donnes des exercices plus durs, ils bourrinent, ils intègrent plus rapidement, bon, tant mieux pour eux. Et puis les plus en difficulté, effectivement, tu les aides à mieux comprendre le cours. Tu peux, tu peux, tu peux, commencer, par, tu peux commencer par des exercices de base, bon, tu vois, tu peux passer plus de temps sur les exercices fondamentaux. Tu vois, ça aurait, un, ça aurait du sens de dire deux tiers en classe entière pour transmettre euh, l'enseignement et un tiers euh, en, en groupe de niveau. Pour, pour euh, permettre aux meilleurs de déployer leurs ailes et aux moins bons de d'acquérir de, mieux les fondamentaux. En vrai, c'est déjà du tri social, en fait. Dire ça, c'est déjà dire que les meilleurs vont s'envoler et les moins bons, euh, bon bah les moins, mais à la limite, les moins bons, si ça leur permet quand même de rattraper une partie de leurs acquis, bon, on peut pourquoi pas en discuter. Euh, c'est déjà, on peut en discuter, mais là, c'est l'inverse et là tu vois même pas comment tu vas articuler ça tu vois tu ne vois même pas comment on va articuler ça comment tu fais pour avoir un tiers de ton temps en classe entière et deux tiers en classe de niveau à quoi va correspondre le temps de classe entière sachant que encore une fois ne, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ce ne serait qu'un pis aller puisque la vraie bonne solution on la connaît c'est des classes hétérogènes mais plus restreintes avec des effectifs euh, les plus euh, petits possibles euh, toutes les recherches en sciences de l'éducation, on avait, on avait cherché sur, ce, sur cette chaîne, hein, on avait fait la recherche quand, souvenez-vous, Amélie Oudéa Castera avait dit Ouais, mais il ne faut pas que les classes soient trop petites parce que sinon il n'y a plus la, stimula la, la, la stimulation entre élèves. Voilà, il n'y a plus la stimulation entre élèves, donc il ne faut pas que les classes soient trop petites. On avait cherché, on avait vu que consensus absolu euh, parmi les, parmi, euh, sur, dans la recherche en sciences de l'éducation, euh, des classes à effectifs restreints euh, favorisent l'acquisition d'un meilleur niveau chez les chez les élèves l'émulation voilà par, pardon l'émulation euh, c'est le c'est le, le mot c'est le mot qui me manquait l'émulation bon et donc on avait vu que des classes à effectifs restreints favorisent au contraire euh, l'acquisition des fondamentaux et l'acquisition d'un meilleur niveau par les par les élèves et donc encore une fois à l'échelle à l'échelle de, de l'État la, la solution elle est toute trouvée c'est des classes à effectifs plus restreints hétérogènes où on favorise l'entraide entre élèves et euh, chez les enseignants-enseignantes, la pédagogie différenciée. Voilà, tu fais, ça, bien. Tu, tu fais ça, tu es bien. Tu vois Tu fais ça, tu es bien, tu vois. Mais déjà, tu vois, quitte à ne pas faire ça, si tu as déjà deux tiers en classe entière pour la transmission des fondamentaux, et un tiers en groupe de niveau pour les exercices, j'ai envie de dire quelque part, bon, pourquoi pas C'est encore un pis-aller. Mais là, deux tiers en groupe de niveau, un tiers en classe entière, je ne sais même pas comment les enseignants vont. Je ne sais même pas, je suis, je suis prof moi-même. Alors, je suis pas prof au lycée, euh, dans le supérieur, mais... Euh, je ne sais même pas comment les enseignants vont se démerder. Je, je ne vois même pas comment t'organises ton temps scolaire. Enfin, s'il y a des profs sur le chat, dites-moi comment vous allez faire. Euh, je ne sais même pas comment tu fais. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ce tiers temps rassemblé, sachant que sur les deux tiers du temps, tu auras avancé à des vitesses euh, totalement, euh, totalement, différentes euh, dans les différents groupes. Je veux dire, on fait grève. Je, je veux dire, vraiment. Il prépare les grèves sur ce sujet. Enfin, je veux dire, vraiment, non, mais simplement, à un moment donné, simplement juste sans, en sortant de euh, professeur en SVT lycée, je ne sais pas non plus, vous voyez, je, vraiment, on n'en sait rien pour le moment. Enfin, je, je pose vraiment la question, c'est-à-dire, mais c'est là que tu vois le, le dogmatisme absolu du truc. C'est-à-dire que juste tu te poses, euh, tu te poses deux secondes, et tu te dis, ok, comment ça va se faire en pratique À quoi va correspondre ces dix semaines et tu, et tu sais pas répondre enfin je veux dire, tu ne sais pas répondre si tu as passé une heure comme prof dans une classe tu sais que tu sais que tu ne sais pas ça pourrait comme à la fac cours magistral et effectif complet en et en groupe oui mais sauf que en fait euh, euh, à la fac tu peux te permettre de faire ça mais euh, au collège tu n'as pas euh, un tiers de cours magistral et deux tiers d'application ça fonctionne pas comme ça les enseignements sont beaucoup plus entrelacés sont beaucoup plus entrelacés donc c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus logique de faire euh, deux tiers temps en classe complète où là tu, trans, tu, fais de la, tu fais la transmission des fondamentaux tu fais les premiers exercices et ensuite des tiers temps tu vois. ça bon et par ailleurs oui hein, vous dites ça va être humiliant pour les élèves les moins bons vous avez évidemment raison bien évidemment vous avez évidemment raison c'est pour cela qu'on critique euh, qu'on critique cette mesure c'est que euh, c'est une mesure humiliante pour les élèves en difficulté, qui du coup se retrouvent stigmatisés, et bien sûr que ça ne favorise pas l'acquisition sereine des fondamentaux. Euh, je suis repassé en plein écran parce que la pub commence dans euh, 4 secondes. Donc on va, on, va, on va attendre la pub. On va attendre la pub. Voilà. Peut-on partir d'apartheid dans l'éducation Alors, euh, certains, euh, certains, euh, certains chercheurs en sciences de l'éducation utilisent le mot qui est, euh, qui est euh, douloureux. Hein est douloureux et contesté. On parle plutôt de séparatisme scolaire, mais on parle d'un vrai séparatisme scolaire. Pub. J'attends. Tac. Pub. Je sais, hein, je sais, c'est la pub. C'est la pub. Prenez un abonnement si vous voulez une recette à base de carottes. <laughs> Alors, donc évidemment, pendant la pub c'est un, 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 une constante de ce stream. Pendant la pub, on donne des recettes à base de carottes. J'ai donné ma recette exceptionnelle, sachez-le, de carottes râpées. Ouais, si vous avez resté ça, euh, j'ai donné ma recette exceptionnelle de carottes râpées. Euh, alors, est-ce qu'on est qu peut donner. Que... Déjà, je vais remercier évidemment les personnes qui se sont abonnées. Alors, où est-ce qu'on en était euh... Exosquelette, je me souviens. Lol Wendy. Euh, la, 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 la Wendy, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup pour ton abonnement. Loreleis qui s'abonne, bienvenue. Ainsi que Chaussette qui est prime, merci bienvenue. archangel 1 2 3 4 deuxième mois incroyable, merci beaucoup. Super Nain qui prime, merci bienvenue. Potzgeg, deuxième mois d'abonnement, merci infiniment. Zephael, deuxième mois de prime, merci infiniment. Local Bull, Local Bull, j'imagine. Merci pour ton troisième mois d'abonnement, ainsi que Zartan DDH. 21 mois combien Qui aurait pu prédire que les groupes de niveau ne sont pas efficaces C'est vrai qu'il aurait pu prédire. Et Shotaro 676, trois mois déjà OMG. Merci beaucoup. Euh, alors, qu qu'est-ce qu que. Alors, effectivement, effectivement. Euh, recette, recette à base de carottes, je vous recommande vraiment. Alors, moi, je sais pas la faire, mais c'est hyper bon. Alors, je crois que ça s'appelle comme ça. Euh, la, la fameuse ah voilà la fameuse recette lentille carotte alors on regarde on regarde qu'on appelle l'ardès hop alors là ils mettent euh, ils mettent lentille à la marocaine mais bon alors là, là les les algériens algériennes du Tchad vont évidemment être, être outrés en disant non c'est des lentilles à l'algérienne. quant aux Tunisiens et Tunisiennes vont dire mais n'importe quoi, c'est des lentilles à la tunisienne. Mais les lentilles à la, c'est de l'ardesse quoi. Euh, les, les lentilles comme ça avec des morceaux de carottes, incroyable. Hein. 250 grammes de lentilles vertes du puits, deux carottes. On peut mettre un peu plus de carottes. Hein. Effectivement, euh, concentré de tomates, oignons, ail. C'est vraiment ça le, c'est vraiment ça le, le secret. Hein. Euh, concentré de tomates, oignons, ail, mais du coup, c'est à base de lentilles, pas de carottes. C'est vrai, c'est un peu vrai. Et c'est vrai que tu rajoutes dedans, il euh, y, y a moult épices, cumin, paprika, piment de Cayenne, curcuma et cannelle. Et alors, la cannelle, là-dedans, c'est ce qui va donner ce petit côté sucré-salé. Euh, voilà, je vous recommande ça. Hop là, toc, voilà. Alors, voilà, euh, si vous voulez les recettes à base de carottes, évidemment, euh, euh, abonnez-vous. Sachez que... Pendant la pub, je donne des recettes à base de carottes. Ouais. Pendant la pub, je donne des recettes à base de carottes. C'est la carotte, l'ingrédient le, 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 de ce stream. Ouais. Donc, si vous voulez les recettes, si vous, ne voulez pas être, si vous ne voulez pas être privé de recettes à cause de la pub, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, n'est-ce pas hein Si vous vous abonnez à, ce, à cette chaîne, vous aurez bien sûr euh, les exclus pubs et notamment euh, les recettes. Voilà. <laughs> On se fait carotter, le bâton ou la carotte, exactement. Exactement, j'utilise la carotte. Euh, faute d'utiliser le bâton, j'utilise la carotte euh, littéralement. Bien, allez, euh, retour, évidemment. Euh, bientôt un livre, la rhétorique culinaire. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah voilà, merci à Vulpio qui s'abonne. Euh, L'objectif sub du mois est atteint, tout à fait. Merci à vous. Vulpio qui s'abonne pour être sûr de ne pas rater, euh, bien sûr, euh, une, une, une recette. Ce serait terrible. Ce serait terrible. Bon, allez. Euh, sur quoi j'étais J'étais sur euh, les groupes de niveau, machin, ça marche pas. Bon, ça marche pas, bref, voilà. Euh, Zeik62, merci beaucoup pour ton troisième mois d'abonnement. Tu es donc partenaire Twitch Oui, et normalement, à la fin du mois, d'ici quelques jours, je serai partenaire plus. Ça y est, top 2. Ah ouais Attendez, c'est vrai Je n'ai pas, pas regardé les stats. Je pas regardé les stats. Ah, attendez. Attendez, on a un coup d'œil sur les stats. Si on est top 2, c'est... Non, on n'est pas top 2, on est top 3. Ah ah, ça, ah non, top 2, vous avez raison. Top 2. Top 2, c'est le top 2. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Euh... C'est fou, c'est fou, c'est fou. Eh bien écoutez, euh... écoutez, euh, top 2, on n'est pas si loin du... Non, si on est loin du top 1. <laughs> Il nous manque 1000 viewers pour le top 1, c'est mort. C'est-à-dire, top 2, on est deuxième audience française de Twitch en ce moment même. C'est beau. Top 2 de quoi On est deuxième... L'effet carotte, c'est vrai. Deuxième audience française sur Twitch. Euh... Incroyable, mais vrai. Il y a peut-être un petit effet... Il y a peut-être un petit effet pub. Il y a, a peut-être un petit artefact. Mais on n'est pas loin. On est soit top 2, soit, soit quasi. Je vois top 1. Moi, non, top 1, non, vous êtes ouf. Vous êtes ouf. Non, mais il y a peut-être un petit effet, y a peut un petit effet, un petit effet de, de, de pub, c'est possible. Euh, et ben merci, merci les amis, merci beaucoup pour votre soutien, votre confiance, ça me top 1 dans mon cœur, <laughs> top surtout. Non, non, voilà, on n'est pas top 2 c'est bon, on est top 3 en vrai. Euh, mais c'est très bien, c'est très bien quand même. Euh, pas francophone, attention. Mais sky is the limit. Oui, je sais, je sais, mais je sais. On s'en fout, c'est vous qui m'avez dit ça. C'était votre argument. J'ai été voir. Allez, on s'en fout en vrai. On ne regarde pas les stats, qu'est-ce que c'est qu -ce que On regarde Nicole Belloubet. Alors, la suite. Hein. Je vous rappelle que pour l'instant, on attend toujours qu'elle prenne position sur un jeune, une solution. Moi, j'attends le moment où elle va nous dire euh, un jeune, une solution exceptionnelle. Ce que je voudrais comprendre, c'est que au début de l'année, oui. les élèves sont néanmoins testés et répartis en fonction oui, de leur le... niveau. C'est-à-dire, comme... est-ce que c'est un petit effectif avec des élèves de plusieurs niveaux? Ou est-ce que c'est plusieurs petits groupes avec les mauvais, les moyens et les bons Non, si vous voulez, en début d'année, comme toujours en sixième d'ailleurs, il y a des évaluations nationales. Sur la... Je préfère regarder les stats. Sur la base de ces évaluations, sur la base des observations que les professeurs vont faire en classe entière, mettons pendant les trois ou quatre premières semaines, à ce moment-là, en fonction des compétences à acquérir lors de la première séquence, par exemple la numération en maths, mmh. eh bien, on va répartir les élèves en fonction de leurs besoins. En fonction de leurs besoins, vous avez vous des élèves. Vous dites besoin, vous ne dites Ouais, mais on ne voit pas la différence en fait. En fait, euh, en fonction de leurs besoins. Oui, enfin, tu vas classer les élèves par niveau. Enfin, c'est exactement la même chose. Hein. Là, elle a remplacé un mot par un autre. Plus niveau. Oui, nous disons besoin. C'est mmh. ce qui est dans les textes. Euh, euh, si vous voulez, vous avez des élèves qui ont des besoins en géométrie, qui n'ont pas les mêmes besoins en numération. Oui, mais ça reste du niveau par... <laughs> ça reste du niveau par matière. C'est la même chose qui n'ont pas les mêmes besoins. Enfin, c'est les deux sont corrélés. Enfin, c'est vraiment remplacer un mot par un autre. Hein. Vous avez des élèves qui ont des besoins en fluence qui n'ont pas les mêmes besoins en orthographe. Donc au fond, il s'agit de prendre au plus près Des besoins en fluence, vous avez entendu la même chose que moi des élèves qui ont des besoins en géométrie qui n'ont pas les mêmes besoins en numération. Vous avez des élèves qui ont des besoins en fluence qui n'ont pas les mêmes besoins. Hein Des besoins en quoi En fluence What Attendez. Alors un, mot, alors, un mot que je ne connais pas. Ah oui, putain, CE1, CE2, CP. En effet, en effet. Définition. Ah bah écoutez, on aura appris quelque chose. Manière de parler. Euh, voilà. La fluence, c'est la manière de... C'est littéraire, hein. C'est littéraire, mais en fait, c'est pas littéraire, c'est pédagogique, du coup. C'est pédagogique, j'imagine... Quel score de fluence en CE1 Ah ouais, c'est vraiment euh, l'affluence c'est le nombre de mots lus par minute à l'école. Voilà, c'est ça. Là, on est dans un on est dans un vocabulaire 100% techno. Hop là. 100% 100% pédagogique. Donc les besoins en fluence. Besoins en orthographe. Donc au fond, il faut... Alors, vous avez des élèves qui n'ont pas les mêmes besoins en fluence qu'en orthographe. Ah, du coup, ce qu'elle veut dire, c'est grosso modo si si sur la première partie de l'année on travaille plutôt la lecture que l'orthographe, et que tu bon en lecture mais mauvais en orthographe, tu vas être dans le groupe des bons, mais du coup, sur la deuxième partie de l'année, si on travaille plus l'orthographe, là, tu seras dans le groupe des mauvais, parce que tu as plus de besoins. C'est ça qu'elle explique. Mais arrêtez-moi si je me trompe, arrêtez-moi si je me trompe, mais on est d'accord, les amis, que, après, ça fait longtemps que, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été au collège, hein. mais il me semble quand même que en maths et en français, tu fais tout tout le temps au long de l'année. C'est-à-dire tu fais pas d'abord euh, un trimestre que l'orthographe, un trimestre que la lecture et un trimestre que la conjugaison. On est d'accord. On est d'accord que tu fais tout d'un coup, ça n'aurait aucun sens. Sinon, on est d'accord. On est d'accord qu'en maths, tu fais pas un trimestre que de la géométrie, un trimestre que de la numération. En maths, tu segmentes quand même. Tout d'un coup. Ah, si vous dites valable en maths pas en français. Oui surtout au collège. Oui c'est ça. Si tu peux, tout est travaillé conjointement. Ok ça dépend. En français c'est mélangé mais pas en maths. Ok donc en maths t'as des séquences. En maths pourquoi pas en français je vois pas. Ok. Ok. Donc en maths ça a un sens ce qu'elle dit en français ça, ça n'en a aucun c'est ce qui me semble. Il s'agit de prendre au plus près des. Du coup tu fais un groupe besoin influence un autre en orthographe mais ça ça c'est l'usine à gaz absolue et c'est sur et, et surtout c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est impossible que ça se passe comme ça. Là, c'est là, c'est injouable. Enfin, là, c'est injouable. Je vois même pas comment c'est possible. Les élèves, la réalité les Même besoin en numération. Vous avez des élèves qui ont des besoins en fluence, qui n'ont pas les mêmes besoins en orthographe. Donc, au fond, il s'agit de prendre au plus près des élèves la réalité de leurs besoins et d'installer une pédagogie différenciée. Il n'y a pas de tri. Je refuse le tri. social. Alors elle parle aussi de pédagogie différenciée, effectivement c'est ce qu'il faut viser, mais en fait tu n'as pas besoin de groupe de niveau pour faire de la pédagogie différenciée, tu peux très bien faire de la pédagogie différenciée au sein de ta classe, c'est vrai que ça demande plus de travail pour les enseignants et, pour les enseignants et enseignantes, hein. c'est vrai. Social des élèves. Ça veut dire que par exemple Gabriel Lattal, devenu premier ministre, tri, je refuse l'élève, la réalité de leur besoin d'installer une pédagogie différenciée. Il n'y a pas de tri, je refuse le tri social des élèves. Il n'y a pas de tri, je refuse le tri social des élèves. Donc ça, c'est ce qu'elle affirme. Mais on continue de voir difficilement comment il peut en être autrement. Ça veut dire que, par exemple, Gabriel Attal, devenu Premier ministre entre-temps, et vous, n'êtes pas exactement sur la même ligne. Il y en a un qui... Sur la, nous sommes exactement sur la même ligne. Il faut dépasser les aspects sémantiques. Yeah. Euh, nous sommes sur la même ligne. Ce que nous voulons, c'est faire progresser. En fait, c'est génial parce qu'elle dit, il faut dépasser les aspects sémantiques, mais c'est elle-même qui a introduit une distinction sémantique. C'est quand même Non non mais on est sur la même ligne, il faut pas s'arrêter aux aspects sémantiques. Ouais mais c'est elle qui a choisi de parler de groupe de besoins. Donc c'est bien que groupe de niveau lui posait problème. Si c'est juste des aspects sémantiques, elle aurait repris groupe de niveau, si le si le mot lui posait pas problème. Et si le mot lui pose problème, c'est que c'est pas le mot qui lui pose problème, c'est que c'est l'idéologie qu'il y a derrière. Donc là, il y a évidemment, évidemment beaucoup de Beaucoup d'hypocrisie bien sûr, hein. mais ça pour le coup c'est de la communication politique classique, il y a deux lignes au gouvernement, euh, elle a tenté de forcer la main à Gabriel Attal, elle s'est fait ra rattraper par la police, désormais elle explique que euh, depuis le début ils veulent exactement la même chose, bon ça c'est de la com -pol, euh, communication politique très classique. Progresser les élèves c'est aussi ce que veut le président de la République. Par ailleurs les chefs d'établissement sont catégoriques, 2300 postes débloqués à l'échelle de 7000 établissements en France, ça ne suffira pas ah. <laughs> ah, comme quoi je suis pas le seul à être taquin. Comme ça, je suis pas le seul à poser, je suis pas le seul à poser la question. Vous pensez que vous aurez les moyens de mettre ça nous, en œuvre je, je suis certaine que nous aurons les moyens euh, de mettre en place les groupes de niveau. Actuellement, d'ailleurs, nous allons commencer à euh, nous occuper du recrutement des enseignants, puisque au-delà de ceux qui entrent par concours, je l'ai toujours dit, il faudra que nous recrutions des personnels contractuels. Euh, nous avons un manque d'enseignants du fait euh, d'une attractivité insuffisante de notre profession, à laquelle nous allons remédier rapidement. Là, il n'y a rien qui va. Hein. Non, il faut que nous recrutions des contractuels et c'est ce à quoi nous nous attachons. Demain. Alors, rapidement. Alors, il n'y a rien qui va. Donc, euh, on lui dit euh, 2300 postes pour 7000 lycées. Alors, effectivement, je me, si, dans mes souvenirs, on était tombé sur 7000. Alors, je ne sais pas pourquoi je tombais sur le chiffre de 5300 tout à l'heure. Euh, 5300, c'est peut-être les, les collèges publics auxquels il faut rajouter les collèges privés. Je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Euh, mais vous aurez noté qu'on lui pose une bonne question. Euh, 2300 postes créés pour euh, 7000 établissements, Est-ce que vous allez, euh, est comment est-ce que vous allez avoir les moyens de faire ce que vous, ce que vous ambitionnez, c'est-à-dire des groupes de niveau avec des petits groupes Réponse, je suis certaine que nous aurons les moyens. Oui, mais comment dire, Elle n'a pas répondu à la question, à la bonne question chiffrée qui lui était posée. C'est que quand même, un mandat, il ne suffit pas de dire, bien sûr, nous aurons les moyens. Il faut être capable de le démontrer. Il faut être capable de l'argumenter. Il euh, faut, faut montrer quand même que tu as mis les postes sur la table, or là grosso modo, il y a quand même les stagiaires de seconde vont pouvoir aider, là c'est vraiment TKT frère quoi, c'est vraiment, on va s'en sortir, on aura les moyens mais, mais comment, TKT oh, t'inquiète t'inquiète à va le faire tu vois, bon donc là c'est 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 d'une insuffisance tout à, fait, tout à fait confondante et je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais il est quand même assez joli. Par concours, je l'ai toujours dit, il faudra que nous recrutions des personnels contractuels. Euh, nous avons un manque d'enseignants du fait d'une attractivité insuffisante de notre profession, à laquelle nous allons remédier rapidement. Et... Nous avons un manque d'attraction du fait, enfin, euh, nous avons un manque de recrutement du fait de l'attractivité insuffisante de notre profession. Alors, elle dit notre profession, elle a été rectrice euh, Nicole Beloubech. Je ne sais pas si elle a beaucoup enseigné. Mais elle est directrice, elle vient du monde de l'éducation nationale. Mais vous voyez, voyez quand même, nous avons, c'est quand même incroyable, nous avons un manque d'attractivité de notre profession auquel nous allons remédier. <laughs> cette phrase, cette phrase euh, prof à Sciences Po Toulouse, professeur de droit à l'université. Ah, ok, 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 autant pour moi, autant pour moi. Euh, bah, elle est prof, hein, elle a le droit de dire notre profession, bien, bien évidemment. Donc. Euh, c'est quand même incroyable. Nous avons un manque d'attractivité de notre profession auquel nous allons remédier. Phrase euh, audible. Si tu n'es pas en poste depuis sept ans, <laughs> c'est long, 7 ans quand même. Hein euh, T'en fais des choses en cette année, euh, hein? Le ouais, non, non, mais on va y remédier. Mais euh, ça fait pas sept ans que vous nous expliquez que a ce problème et que vous allez y remédier. C'est je Hein? <laughs> Je comprends pas. Hein? Oui, c'est quand, quand même bizarre, non? <laughs> c'est quand même bizarre parce que euh, ce sont les mêmes qui ne cessent de dire que beaucoup a été fait et que euh, ça y est, c'est bon, les professeurs en France sont, euh, euh, ont, rattrapé leur, ont rattrapé leur rémunération et qu'il n'y a plus de problème, tu vois. Et, et derrière, nous avons un manque d'attractivité de la profession auquel nous allons remédier. Bon, c'est vraiment, euh, vraiment. Alors. Enfin voilà, c est, c est, c est, c est... là aussi, c'est d'une hypocrisie absolue, hein, puisque ils sont, ils sont en poste depuis 7 ans. Euh, tu, tu ne peux plus te, te satisfaire 7 ans plus tard de dire c'est vrai que nous avons un manque d'attractivité euh, de l'enseignement quand tu es en poste depuis 7 ans et que précisément euh, tu as identifié le problème depuis 7 ans. Ça fait 7 ans qu'ils nous disent ça. Bon, donc là, là il y a, y, a, y a quand même quelque chose qui n'est pas, pas audible, hein, tout tout simplement. Il faut que nous recrutions des contractuels et c'est ce à quoi nous nous attachons demain. Alors rapidement, justement, euh, les concours de professeurs ont lieu en master 2, hein, c'est ça, BAC plus 5. Actuellement, Il est, est le question cas. de caler euh, le recrutement des professeurs dès la troisième année de licence, BAC plus 3. Oui, si vous confirmez ça fait partie des hypothèses qui ont été... Ouais. Ce serait triste que, ou nez que la question un jeune, une solution, ne lui, lui soit pas posée. Les arbitrages devraient être rendus très très rapidement sur ce sujet. Mais ça fait des enseignants qui auront un bagage académique suffisant pour non, enseigner Est-ce qu'on abaisse le niveau Non, non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, on, on a Beaucoup plus de personnes, si c'est cela qui est fait. Ouais. On les attire en les recrutant à bac plus 3 avec une préparation, euh, notamment pour les professeurs des écoles, qui sera adaptée au concours de recrutement. Mais ensuite, rien n'interdira que ces enseignants-là prolongent euh, jusqu'au master en travaillant dans les classes par ailleurs. Ah, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils passent le concours à bac plus 3 et ensuite ils ont un an, deux ans C'est une hypothèse de travail. Ah, alors attendez. Alors. Euh... Alors ça, pour le coup, on, on peut vraiment en débattre hein, pendant, pendant longtemps euh, pendant longtemps les profs. Alors ça dépend de quoi on parle. Ça dépend euh, ça dépend. Là, j'imagine qu'elle parle du recrutement au en fait. Là, j'imagine qu'elle elle ne peut que parler. On est d'accord. Elle ne peut que parler du recrutement des instituteurs institutrices, enfin des professeurs des écoles. Elle ne peut que parler du du recrutement des professeurs des écoles. On est d'accord puisque pour enseigner au collège et au lycée il faut, euh, il faut un capès ou une agrègue, on est d'accord. Hein Le capès aussi Attendez, je comprends pas, je comprends pas. Comment Attendez, je comprends pas. Attendez, on va réécouter parce que là je comprends pas. Au contraire, on, on attire beaucoup plus de personnes si c'est cela qui est fait. Ouais. On les attire en les recrutant à Bac plus 3 avec une préparation, euh, notamment pour les professeurs des écoles, qui sera adaptée au concours. Ah voilà, notamment pour les professeurs des écoles. de recrutement. Mais ensuite, rien n'interdira que ces enseignants-là prolongent euh, jusqu'au master en travaillant euh, dans les classes par ailleurs. Le gouvernement parle de baisser le niveau d'entrée pour le CAPES aussi Ok, bon bah écoutez, on verra ce qu'ils font. On verra ce qu'ils font, hein. qu font. Là, de toute façon, il faut, il faut attendre. Euh, elle parlait des contractuels. Non, non, là, il parle du recrutement des professeurs. Donc là, il parle vraiment des, des professeurs titulaires. Euh, là, elle parle des, du recrutement des professeurs titulaires. Alors, euh, en, euh, pour le coup, en, en école primaire, pour les professeurs des écoles, la question se pose. C'est-à-dire que la question se pose euh, très longtemps. Les, les professeurs des écoles ont été recrutés à bac plus 3, hein, pendant très longtemps. Euh, C'est en fait assez récent, ça fait une dizaine, une quinzaine d'années, peut-être une quinzaine d'années que les, que, les, que les PE, les professeurs des écoles, sont, sont, sont recrutés à bac plus 5. Et en l'occurrence, dire si tu veux faire professeur des écoles, bah en fait tu peux être recruté à bac plus 3, et puis derrière, on t'offre la possibilité de continuer de te former. Bon, euh, à voir, je ne suis, euh, suis pas sûr que ce soit. J'en sais rien, pas. De, pas de, je ne connais pas assez bien, je, je me fie aux, aux enseignants-enseignantes, hein, je n'ai pas, pas d'avis sur la question. Euh, mais par contre, sur le CAPES, ce serait, ce serait une énorme... Recruter les, les profs de collège en BAC plus 3, ça ce serait quand même une énorme diminution du niveau requis. Euh, quand bien même derrière, tu leur proposes de faire de l'alternance, mais euh, depuis euh, je sais pas combien de temps, le CAPES, c'est BAC plus 5. Hein. Depuis je sais pas combien de temps, il faut un master. Ah, le CAPES, c'est pas BAC plus 5, c'est BAC plus 4. Ça a longtemps été la maîtrise. Ça a longtemps été la maîtrise, le CAPES. Le CAPES était bac plus 3 avant Sarko. Ah ouais Autant pour moi, alors. Vous êtes sûr de ça Ok. Ah ouais, je savais pas. Ça a jamais été maîtrise. Ah ouais, le CAPES, c'était bac plus 3 Ok, bah autant pour moi. Eh bah écoutez, c'est vous qui me prenez C'est vous qui me prenez Licence pour le CAPES. Ok, autant pour moi. Bon, bah écoutez. Bon. là dessus en fait le, le, de, toute façon, de toute façon la, la question c'est moins la question c'est moins là dessus moi j'ai pas de jai pas j'ai pas l'expertise euh, suffisante pour me forger une opinion sur qu'est ce qui est bien qu'est ce qui est pas bien dans la formation des enseignants euh, par contre ce qui est sûr c'est que le problème en fait euh, dans le recrutement c'est pas la formation le problème dans le recrutement, c'est pas la formation. Le problème dans le recrutement, c'est l'attractivité du métier. C'est-à-dire que tout le monde a vu aujourd'hui que professeur, c'était un métier qui était très difficile, très mal payé, très peu reconnu. Et oh, oh, étonnement, les gens veulent plus faire ce taf-là. C'est bizarre quand même. Ah c'est ça, c'est-à-dire qu'ils passent le concours à Bac plus 3 et ensuite ils ont un an, deux ans C'est une hypothèse de travail, les derniers arbitrages vont être rendus très vite. Et alors, puisqu'on parlait d'évaluation des élèves, là on est en cours d'année, vous avez déjà les résultats des évaluations auxquelles vous procédez chaque année, par exemple des élèves de CP et de CE1, qu'est-ce que ça donne Si vous voulez, on s'aperçoit que... La formation est quand même un problème non négligeable. Non, non, mais oui, je ne dis pas que ce n'est pas un problème, je dis juste que je ne suis pas compétent pour vous donner moi mon opinion. 2017, on a mis en place des dédoublements notamment en REP et en REP+, des dédoublements de, de classes euh, en CP, CE1 et maintenant en grande section. Et on s'aperçoit que ces élèves qui sont euh, rentrés euh, donc en 2017 dans les petites classes et qui ont été évalués euh, en 6 ont des compétences, ont des acquis qui sont plus solides que ne l'étaient leurs prédécesseurs qui eux avaient été évalués en 2017 par exemple. Et on s'aperçoit qu'il y a... Euh, sept... Donc le dédoublement ça marche bah, Ça marche, surtout s'il y a une pédagogie adaptée. C'est-à-dire que c'est un peu ce que font nos enseignants. Alors, sur le dédoublement des, des classes en, en REP et REP+, c'est la mesure qu'ils mettent en avant depuis 2017 pour... Euh, en fait, c'est la mesure qu'ils mettent en avant pour dire qu'ils ont euh, amélioré le système éducatif et qu'ils ont fait euh, euh, davantage qu'auparavant pour euh, les élèves les plus en difficulté et issus des milieux les plus, les plus défavorisés. D'ailleurs, pas les plus en difficulté, pour les élèves issus des milieux les plus, en, les plus défavorisés. C'est la mesure qu'ils mettent en avant. Euh, là, ce que nous dit Nicole Belloubet, c'est que euh, les évaluations montrent que ça a permis euh, un meilleur, une meilleure acquisition des fondamentaux. Donc, à voir. Ce qu'il faut savoir, euh, c'est quoi le dédoublement Le dédoublement, c'est grosso modo qu'ils ont divisé par deux les classes de, je crois, CPCE1 euh, dans les euh, zones REP et REP+, c'est-à-dire grosso modo les zones euh, défavorisées. Euh... Je crois que c'est ça, hein. on est, on est d'accord, dédoubler les classes, ça revient à réduire le nombre d'élèves par enseignant, donc dans le cas classique par classe. Voilà, c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça, maximum 12, 12 élèves par classe en REP+, plus et 15 en REP, en théorie, et mais ce n'est pas valable pour toute l'école primaire, on est d'accord, c'est CPCE seulement, ou c'est toute l'école primaire Dites-moi, sinon je vais chercher sur Wikipédia tout seul. Hein. CPCE, ok, certains disent « et grande section », que CPCE1 et grande section. OK. CPCE1, CPCE1, cpc 1 Et maternelle aussi. Très bien. Certains font aussi grande section. OK. Donc, euh, le, le, la, la mesure en question, c'est ta classe de CP et ta classe de CE1, tu les dédoubles dans les REP et REP, c'est-à-dire au lieu d'avoir des euh, classes à euh, 24, voire 30 élèves, tu as des classes à 12 ou 15 élèves. Et euh, évidemment, euh, les résultats sont bons. Euh, Nicole Belloubet le dit. Les résultats sont bons euh, conformément à ce que disent les sciences de l'éducation. Souvenez-vous ce qu'on disait tout à l'heure si tu réduis les effectifs par classe, tu augmentes euh, l'acquisition des fondamentaux par les élèves. Euh, C'est ce que disent les sciences de l'éducation. Notez d'ailleurs que euh, Amélie ou Castera souvenez-vous, hein, quand Amélie ou de Castera disaient que euh, il fallait pas des classes trop petites euh, parce que sinon tu n'avais plus d'émulation entre élèves. Euh, elle était ministre de l'Éducation nationale et donc elle avait la charge, notamment euh, des classes euh, de CP et de CE1 dédoublées en REP et REP. Donc, euh, ou comment. Bon, bref. Bon, on ne va pas revenir sur Amélie Udia, etc. Écoutez, ce, 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 serait, ce serait malicieux. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que euh, le, le gouvernement actuel ne cesse de mettre en avant cette mesure pour dire qu'ils ont beaucoup fait pour, pour l'éducation. Et c'est vrai que ça a marché. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est comment ils ont fait. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas recruté des professeurs. Donc comment ils ont fait pour euh, dédoubler euh, les classes de CP et CE1 en REP et REP+ sans recruter des professeurs Bonne question. Eh bien en fait, <coughs> en fait ils ont fait un truc qui est totalement passé inaperçu, c'est que ils ont euh, mis fin à un dispositif qui avait été créé sous François Hollande, qui s'appelait plus de maîtres que de classes, plus de maîtres que de classes. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est que euh, sous, sous François Hollande, tu avais ce dispositif qui avait été créé, c'est-à-dire que... Et pour le coup, euh, le, gouvernement, le gouvernement de François Hollande s'était appuyé sur les travaux en, en sciences de l'éducation qui montraient que si tu veux améliorer l'acquisition des fondamentaux, notamment pour les petites classes, tu as deux solutions. Soit tu fais... Effectivement, des classes avec des, avec des effectifs plus restreints, soit tu gardes le même effectif par classe, mais tu euh, mets des professeurs volants, entre guillemets. C'est-à-dire tu as un dispositif avec plus de maîtres que de classes, et avec du coup des classes où tu as des, des, des maîtres et maîtresses, des professeurs de l'éducation qui, euh, qui font cours ensemble. Et euh, ce, que, ce que montrait euh, la recherche, c'est que ce dispositif-là tendait à être un peu plus efficace. Alors, grosso modo, c'était à peu près kiff-kiff, tu fais l'un ou l'autre. Et donc le gouvernement de François Hollande s'était dit, bon, bah, euh, faisons ça, faisons plus de maîtres que de classes. Si la recherche dit que c'est ça qu'il qui, qu faut faire, sauf que en fait, comme euh, le gouvernement de François Hollande est le gouvernement le plus nul de l'histoire de tous les gouvernements en matière de communication sur les mesures, c'est autre chose. Vous avez déjà toutes et tous un avis sur le, le gouvernement de François Hollande, c'est pas la peine d'y revenir. Je vais pas vous faire changer d'avis et d'opinion, donc de toute façon, vous, vous en pensez déjà ce que vous en pensez. Par contre, ce qui est certain et, qui, et sur lequel moi je peux vous, me permettre de vous donner mon, mon opinion éclairée, hein, me semble-t-il, en tout cas de, de professionnel, c'est que Hollande a été le plus mauvais, enfin le gouvernement Hollande, la présidence Hollande, a été la plus mauvaise communicante de l'histoire de ces dernières présidences. Sérieusement, ils ont été infoutus de communiquer, ils ont été lamentable dans la mise en valeur de ce qu'il faisait si bien que euh, à l'époque j'avais dit c'est quand même fou François Hollande même ce qu'il réussit il le rate <laughs> c'est-à-dire même ce qu'il réussit il échoue à montrer aux gens qu'il le réussit et donc il le rate et donc euh, pire que Macron ah ben, Macron en communication il est pas si mauvais que ça euh, croyez-moi il, il a quand même réussi à se faire réélire c'est pas c'est pas en termes de communication pure c'est efficace d'une grande perversion mais efficace. Alors, il, faut, il faut séparer moralité et efficacité, éthique et efficacité. Je ne dis pas que la communication de, du, de la présidence Macron est une communication éthique, je dis même le contraire depuis un bon moment. Euh, par contre, je dis qu'elle est efficace. Et donc, en tout cas d'une certaine efficacité, de moins en moins, on commence à voir les coutures, mais elle a été d'une certaine efficacité. Et euh, François Hollande, la, la communication de Hollande était lamentable. Enfin vraiment, c'était atterrant de, de, de faiblesse. Et, et donc même même les choses qu'il a faites et qui sont qui sont euh, plutôt bien quoi, il a il les a échouées parce qu'il a échoué à, à faire savoir qu'il le faisait. Et c'est vrai notamment pour le dispositif plus de maîtres que de classes. Ça existait, ça commence à, à marcher, mais personne ne le savait. Ils ont fait ça, ils ont fait leur truc dans leur coin. Et puis euh, voilà, ils ont dit bon bah voilà c'est bon, c'est bon ça s'est fait allez next tu vois. Allez si on communiquait plutôt sur la déchéance de nationalité, voilà, tu vois bon <laughs> et euh, et donc, ce qui est terrible, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé Quand Emmanuel Macron est arrivé euh, président de la République, euh, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, ils ont pris ce truc qui existait, qui était en train de marcher, ils l'ont cassé, comme <coughs> François Hollande n'avait pas communiqué dessus. Ils ont pu le casser sans que personne ne s'en rende compte. Ils ont pris les professeurs que ça avait libérés et ils les ont mis sur euh, le dispositif euh, d'édoublement euh, des classes de CP ce qui, par ailleurs, est un dispositif plus facile à vendre plus facile à vendre que euh, plus de mètres que de classes. Et donc c'est là, là où tu vois comment est-ce que, et j'en reviens à ce que je dis souvent, et, et ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est un mot de Gérard Collet, qui a été euh, communicant pour, 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 pour François Mitterrand. Gérard Collet a coutume de dire, la politique, c'est deux choses, décider et communiquer sur ce que tu as décidé. Et donc Collet dit, la communication, ça n'est pas, euh, ça pas une, une petite chose en politique, ça fait partie intégrante du métier politique. La politique, c'est décider et communiquer sur ce que tu as décidé. Évidemment, le problème commence à se poser quand ce que tu fais, tu ne le dis pas, et quand tu ne dis pas ce que tu fais. C'est là où, en fait, c'est le moment où tu as une disjonction entre ce que tu décides et ce que tu communiques, que la communication devient un problème. Mais tant que la politique, c'est décider et communiquer, c'est faire et communiquer sur ce que tu fais, il ben, n'y a pas de problème. C est, c est, ça fait partie, du, ça fait partie du, du, du travail des responsables politiques. Et donc, vous voyez c'est ça qui est terrible, c'est que Hollande a échoué à communiquer sur ce qu'il faisait, en tout cas sur une partie de ce qu'il faisait, notamment le dispositif plus de maîtres que de classes, et donc, euh, euh, Emmanuel Macron a cassé ça. Ça ne lui a rien coûté de le casser parce que personne n'était au courant. Derrière, il a mis en place son propre dispositif qui revient à peu près au même, mais qui était plus facile à vendre en termes de communication. Et là, sept ans plus tard, tu as encore Nicole Belloubet qui dit « Non mais attendez, regardez ce qu'on a fait nous. On a fait un dédoublement des classes de CP et de CE1 quand même. Oui, ils l'ont fait. Oui. C'est efficace sauf qu'en fait s'il l'avait pas fait ça n'aurait rien changé parce que Hollande avait déjà ça n'aurait probablement on peut pas le savoir ça n'aurait probablement pas changé grand-chose parce que Hollande avait déjà mis en place un dispositif qui en fait euh, était très largement équivalent en tout cas travaillait dans la même direction. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir des élèves en moins, il faut avoir une pédagogie adaptée. C'est d'ailleurs un peu le même principe que ce que nous voulons faire en 6e et en 5e. Une pédagogie, une pédagogie adaptée à des groupes de besoins qui soient ou à des groupes d'élèves qui correspondent vraiment à, 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 à ce qui est nécessaire. Et ces élèves de CP et CE1, Madame la Ministre, ils sont évalués en français et en maths Français et maths, oui. Ça, ça porte ses fruits plutôt en français ou plutôt en maths Alors écoutez, mais bon. Je commence à désespérer. Hein. Il, reste, il reste deux minutes d'interview. J'espère qu'on va avoir la question sur un jeune, une solution. C'est quand même pour ça qu'on s'inflige cette interview. Hein. Je ne sais pas si on peut euh, tabler sur des choses. Attendez. Vous me dites n'importe quoi. Vous, 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 vous me dites n'importe quoi. Hein attendez, je reviens, j'arrive. Attendez. Alors, attendez, attendez. Hop non, vous m'avez dit n'importe quoi, vous m'avez dit n'importe quoi. Attendez, bougez pas, bougez pas, j'arrive. J'arrive. Attendez, vous allez m'entendre en double, ça va être insupportable, évidemment. Mais non, vous m'avez dit n'importe quoi, voilà. C'est, j'en étais sûr. Non mais c'était sûr <laughs> C'était sûr, en fait Attendez, bougez pas. On n'est pas du tout top 1, les amis. Par contre, on est top 2 francs, là. <laughs> là, pour le coup, on est... Euh, on, on est euh, Je me suis fait info-chatted. C'est euh, chaud c'est Cho qui joue à, à Call of Duty devant, devant 6500 personnes. Donc on n'est pas du tout top 1 les amis. Calmez-vous. Hein. <laughs> Calmez-vous. Mais par contre on est, on est top 2 FR, euh, deuxième, deuxième audience française de Twitch euh, de manière franche. Mais c'est vous là qui me... On est en train d'écouter Nicole Bellouet. Vous, 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 vous me faites regarder les, les statistiques. C'est pas bien ça. C'est pas bien. Bon on est quand même top 2. <laughs> on est quand même content. Allez Nicole Bellouet. Chose définitive, là, plutôt en français, plutôt en mais français. il y a des progrès en maths également et nous avons une attention toute particulière à l'enseignement des maths. Mmh. Nicole Belloubet, depuis le 26 février, ça fait un mois maintenant, collégiens, lycéens, professeurs, personnel administratif et parents de Seine-Saint-Denis se mobilisent H24. Bon, c'est une question importante qu'elle pose, mais ce n'est pas, pas celle qu'on voulait. On va quand même l'écouter. Pour dénoncer l'effroyable état de dégradation de l'enseignement dans ce département, ils réclament un plan d'urgence. Est-ce que vous les entendez Alors, Un je... mois, c'est long, hein oui, j'entends... Euh... Tu es top 1 sur Nicole... Bon, quand même mieux. Euh... Ah 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 oh 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 attendez. 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 on va attendez attendez ça. On va, on va, se réécouter ça. C'était, Je m'y attendais pas. Mobilise H24, lycéens, professeurs, depuis le 26 février. Ça fait un mois maintenant. Collégiens, lycéens, professeurs, personnel administratif et parents de Seine-Saint-Denis se mobilise H24 pour dénoncer l'effroyable état de dégradation de l'enseignement dans ce département. Ils réclament un plan d'urgence. Est-ce que vous les entendez Alors, Un je... mois, c'est long, hein oui, j'entends. Euh... Alors d'abord, les cours ont quand même lieu euh, au moment où nous parlons, même s'il y a effectivement des établissements. Ok, non, j'ai rêvé, j'ai rêvé. Ça m'a rendu ouf, j'ai rêvé. J'ai cru qu'elle disait les cours ont quand même lieu, sous-entendu. Ouais, vous dites état de, dé état de dégradation, enfin il y a quand même cours. <laughs> Elle dit les cours ont quand même lieu au sens où, certes, il y a une mobilisation sociale. Mais les cours ont quand même lieu. Et les personnels qui sont en grève ce, euh, au moment où nous parlons, même s'il y a effectivement des établissements et des personnels qui sont en grève, ce que je sais parfaitement. Euh, oui, je les entends parce que la Seine-Saint-Denis est un département qui a une spécificité forte et donc il faut que nous soyons en capacité de répondre. Je voudrais. Putain la seine-saint-denis est un département qui a une spécificité forte. bon, euh, elle pourrait dire c'est le département le plus pauvre de france métropolitaine. Euh... <laughs> elle pourrait dire les termes hein. et euh, un département dans lequel les services publics sont considérablement dégradés, y compris les services publics les plus essentiels, y compris à commencer par le service public de l'éducation, pas seulement un hein, police, justice, euh... Administration, tout, tout. Il y a un rapport de l'Assemblée nationale paru il y a quelques années maintenant, mais qui montre bien à quel point, est-ce que en Seine-Saint-Denis, les services publics les plus essentiels sont euh, bien moins dotés que dans le reste de la France, et singulièrement bien moins dotés qu'à Paris. Euh, donc euh, là, là, on est, on est quand même sur déjà une, une euphémisation tout à fait manifeste. Hein, euh, c'est un département qui a une certaine spécificité. Oui, tout à fait, oui, oui, tout à fait. On peut le dire comme ça, ouais. si on est poli, on peut le dire comme ça, oui. Euh, et derrière, il faut que nous y répondions, mais c'est dommage, ça. Si seulement ils avaient été au pouvoir ces sept dernières années, ils auraient pu faire des trucs. Alors d'abord, les cours ont quand même lieu euh, au moment où nous parlons, même s'il y a. Les drones rigolent. Alors c'est pour ça que j'ai dit le département le plus pauvre de France métropolitaine. Sinon, effectivement, euh, à l'échelle de la France tout court, c'est Mayotte, bien sûr, de très loin. Effectivement, des établissements et des personnels qui sont en grève, ce que je sais parfaitement. Euh, oui, je les entends, parce que. C'est la Guyane, vous dites Moi, je... Moi je... il me semblait que c'était Mayotte, mais je peux me gourer. De toute façon, Mayotte et la Guyane, bon, euh, les... les pauvres, ils se... Ils, se... ils se tirent la bourre. Euh... Il se tire à la bourre au rendez-moi au rendez bien doté. La Guyane, vous dites Ok, peut-être. C'est possible, c'est possible. Mayotte, pas loin, hein, de toute façon. Si c'est la Guyane, Mayotte, pas loin. La Seine-Saint-Denis est un département qui a une spécificité forte et donc il faut que nous soyons en capacité de... Un, Mayotte, 2 Guyane, 3 Seine-Saint-Denis. Ah ouais, vous voyez, donc bon, quand même. Il me semblait que c'était Mayotte. La Guyane, c'est un tome. Ah oui, parce que la Guyane n'est pas un département bien vu. Bien vu, Raptor, mais la Guyane n'est pas un département. La Guyane, c'est un territoire d'outre-mer, absolument. Alors que Mayotte est un département. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, bien vu, bien vu. Alors, on réécoute, on n'entend pas depuis tout à l'heure. S'il y a effectivement des établissements et des personnels qui sont en grève, ce que je sais parfaitement. Euh, oui, je les entends, parce que la Seine-Saint-Denis est un département qui a une spécificité forte. Attends. Non, la Guyane est un département aussi Attendez, la Guyane, c'est un département J'ai dit de la merde à ce point-là C'est possible, hein c'est possible, c'est possible. Attendez, je ne veux pas, pas laisser une erreur être dite. Alors, Guyane française, région de France. Ah, il semblerait que vous ayez raison. Attendez, non, il semblerait que vous n'ayez pas raison. Alors, la Guyane française, c'est une collectivité territoriale unique. Euh, L'Assemblée délibérante, c'est l'Assemblée de Guyane. Ça n'a ça pas l'air d'être un département, les amis. Hein. Ça n'a pas l'air d'être du tout, du tout un département. Si. Armature urbaine, la région département. Si c'en est vous avez raison. Autant pour moi, elle accède temporairement au statut de département. Oui. Euh, vous avez raison. Elle devient un département français. D46. Vous avez raison, vous avez raison. Autant pour moi. Autant pour moi. La Guyane est un département. Eh bien, ça avait échappé à ma vigilance. Hop. L'info chat est vrai, absolument, absolument. Plot twist, plot twist. Donc apparemment, alors attends, classement. Classement. Département. Plus pauvre de France. Il y a clairement Mayotte et la Guyane dedans. Hein. Euh... Alors, la pauvreté dans les départements. Les 11 départements les plus pauvres de France. Je regarde. Euh, on est sur l'observatoire des inégalités. Alors, le taux de pauvreté... Ah mais là c'est le taux de pauvreté. Donc c'est pas bon. C'est pas bon. Et puis euh, données 2019. Les 10 départements où le nombre de pauvres est le plus élevé. Euh, il faut regarder quoi Il faut regarder le PIB par habitant, j'imagine. Les 11 départements les plus pauvres de France. Ah, mais là c'est France métropolitaine. D'accord. Oui. tout à fait Bon, écoutez. 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 Retenons que la Seine-Saint-Denis c'est le département le plus pauvre de France métropolitaine, voilà. On va on va on va faire simple. La Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus pauvre de la métropole et pour le reste, plus pauvre encore, Mayotte et la Guyane. Et donc, il faut que nous soyons en capacité de répondre. Je voudrais juste dire. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est ce que dit Belloubet, euh, les amis. Hein. C'est euh, ça, rien D'abord, les cours ont quand même lieu euh, au moment où nous parlons, même s'il y a effectivement des établissements et des personnels qui sont en grève, ce que je sais parfaitement. Euh, oui, je les entends, parce que la Seine-Saint-Denis est un département qui a une spécificité forte et donc. Ça, ça me tue. Hein. La seine-saint-denis est un département qui a une spécificité forte. Donc il faut que nous soyons en capacité de répondre. Je voudrais. Et donc il faut que nous soyons en capacité de répondre. Alors n'oubliez pas, je vous donne ce petit tips d'analyse du discours. Je vous donne ce petit tips d'analyse du discours. Euh, quand vous entendez il faut, ce qu'il y a derrière, il n'a aucune valeur. Il faut que nous fassions ceci. Il faut que nous réussissions cela. Il faut que nous allions vers tel objectif. Il faut que nous déployions telle politique. Euh, ce qui vient après, il faut, n'a aucune valeur. Euh, je décide que nous allons mettre en place, nous allons faire voter, nous nous engageons à. Tout ça, tout ça, ça a de la valeur. Nous nous engageons à. Tu peux tenir les gens comptables. Tu peux leur, tu peux leur remettre euh, l'interview sous les yeux en disant, bah voilà, tu t'es engagé, tu l'as toujours pas fait. Il faut que tu ne t'engages à rien. Tu vois, il faut que tu es, tu émets un objectif. Ce serait bien. <laughs> il faut que nous fassions quelque chose, ce serait bien que quelque chose se passe. Tu n'as pris aucun engagement, tu n'as absolument rien dit de précis, on ne peut pas te tenir pour comptable et responsable de tes déclarations. Enfin comptable pas responsable. On ne peut pas te tenir pour comptable de tes déclarations. Donc il faut que dans la bouche d'un politique, ce qui vient derrière n'a pas de valeur. Voilà, retenez ça en tête, c'est facile, c'est un petit repère que je vous donne comme ça, voilà. Il faut que vous pouvez débrancher votre cerveau, ce qui vient derrière n'a aucune valeur, ça n'est ni un engagement, ni une décision, ni une annonce, ni rien du tout. On ne peut pas tenir pour comptable, euh, enfin comptable le, la, la personne qui dit il faut. On ne peut pas la tenir comptable de ces déclarations. La Seine-Saint-Denis est un département qui a une spécificité forte et donc il faut que nous soyons en capacité de répondre. Je voudrais juste dire là oui. qu'en 2019, sous le gouvernement d'Édouard Philippe, il y avait déjà eu un premier plan qui s'appelait Un État plus fort en Seine-Saint-Denis. Ce premier plan a permis d'établir une prime de fidélisation de 12 000 euros au bout de 5 ans de présence pour les enseignants, les CPE, les, aides, les assistants d'éducation, etc. Une prime donc qui est destinée à fidéliser nos enseignants en Seine-Saint-Denis. Il y avait également dans ce plan de l'argent, 2 millions par an. Mais ça a été fait, ça Pourquoi est-ce est que j'ai l'impression de n'en avoir jamais entendu parler Prime de fidélisation, 500 000. Alors... Ok. Alors déjà, moi, on parle de 10 000 et pas 12 000. Là, je suis sur le... Je suis sur le site de FSUSNUIPP93, donc un syndicat. Hein. Ah, alors, la prime de 10 000 euros installée en octobre... Vous voyez rien voilà. Ok. La prime de 10 000 euros installée en octobre 2020, saint, saint denis pour fidéliser les fonctionnaires du département, sera revalorisée à 12 000 euros, ok, depuis janvier 24, élargie à plus de professions. Auparavant, cette prime d'un de 10 000 euros était versée en une seule fois au terme de 5 années d'exercice effectif et continu dans un emploi ou service éligible en tant que titulaire ou contractuel. Pour celles et ceux déjà en poste dans le département avant le 1er septembre, les agents et agentes ont pu opter pour un versement exceptionnel de cette prime d'un montant moins important. Très bien. Alors, euh, bon, bah ça c'est bien, pour les, pour les enseignants-enseignantes de Seine-Saint-Denis hein, notamment. On peut, on peut s'en se, féliciter. Après, euh, le, le, là où, là où c'est intéressant, c'est que moi, je me souviens bien à l'époque, euh, moi j'ai fait, mes, fait des, mes, études à l'université. Hein. Euh, j'ai fait ma thèse à Sciences Po en sciences politiques, mais j'ai fait mes études en histoire à, à la Sorbonne à l'université. Et donc j'ai pas mal de mes potes qui ont passé les concours, euh, les concours d'enseignants. Euh, pour devenir prof d'histoire, pour devenir prof d'histoire. Et moi, je me souviens que, euh, à la fois mes potes qui passaient les concours, et puis aussi les anciens avec qui on parlait à l'époque, les, les anciens du master et tout, qui, qui étaient déjà en poste, grosso modo, ce qui était à peu près acquis, admis, quand, étais, euh, quand tu passais les, les concours de l'éducation euh, à Paris, euh, c'est que ton premier poste, tu te retrouvais euh, en banlieue parisienne. Et que ça durait grosso modo 5 ans, tu vois. C'est-à-dire que ça durait grosso modo 5 ans. Tu te retrouvais en banlieue parisienne, très souvent dans le 93, en réalité, dans l'académie de Créteil, qui est l'académie où personne ne veut aller. Hein, c'est l'académie la plus difficile. Et ça durait grosso modo 5 ans. Donc en fait, la prime de fidélisation, c'est bien du point de vue des enseignants et enseignantes. Parce que ce que ça veut dire, c'est au terme de tes 5 premières années d'enseignement, où tu as été faire. Euh, T'as été, été payé ton dû à la République en enseignant dans l'académie la plus difficile. Euh, T'as fait ton baptême du feu, voilà exactement. On te donne une prime de 12 000 euros, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est bien. Mais par contre, l'objectif là de Nicole Belloubet, elle parle de fidélisation. Mais en fait, tu fidélises rien. Parce que les, les enseignants, enseignantes, euh, une fois qu'ils ont suffisamment de points, aujourd'hui, ils se barrent. Euh, et donc, en fait, le, le vrai problème aujourd'hui en, en Seine-Saint-Denis, c'est un vrai problème, c'est que. Tu as majoritairement des enseignants débutants euh, qui sont évidemment, attention, hein, qui sont évidemment très investis, qui sont évidemment très investis, qui, qui ont le sens de leur mission, qui sont, euh, euh, je n'en doute absolument pas pour l'immense majorité d'entre elles et entre eux, des enseignants enseignantes de qualité. Euh, mais le problème, c'est que bah, forcément, quand tu es en début de carrière, tu es moins bon enseignant, tu es moins, moins forte, tu es, es moins captivant que... Euh, que 5, 10, 15, 20 ans plus tard, tu vois, c'est normal. Et donc, en fait, le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est que personne ne veut rester dans le 93. C'est que les enseignants-enseignantes, puisque là, on parle de l'éducation, mais c'est vrai ailleurs, mais les enseignants-enseignantes, ils arrivent dans, euh, dans l'Académie de Créteil, ils payent leur dû, et dès qu'ils peuvent, ils se barrent, ce qui n'est pas facile. Hein, vous, êtes en, vous êtes nombreux et nombreuses à dire, oui, mais attention, c'est pas facile, te... c'est difficile, de... enfin, souvent, ne te laisse pas partir du 9-3. Euh, c'est... Euh, c'est dit un peu vite, mais c'est pas complètement faux. Il y a effectivement beaucoup d'enseignants enseignantes qui ont du mal à trouver, euh, à trouver un, un, un poste ailleurs. Mais du coup, si tu veux... Enfin, euh, ce n'est pas à trouver un poste ailleurs, c'est déjà à trouver un poste et surtout, qui, qui ont du mal à avoir ce qu'on appelle leur exéa, c'est-à-dire le fait que l'académie te laisse partir. Bon. Donc, euh, donc euh, ce qui est intéressant, c'est que le vrai problème, le vrai problème, c'est pas de filer une prime de fidélisation au bout de cinq ans. Parce qu'en fait, ça ne règle rien. C'est-à-dire que les profs qui sont là, de toute façon, euh, quand tu passes ton concours en, en Ile-de-France, la plupart du temps, tu te retrouves sur tes premières années, pas toujours bien sûr, mais la plupart du temps, tu te retrouves surtout quand te, tu passes le concours dans le public, euh, le CAPES et la GREC dans le public, euh, en professeur des écoles aussi, la plupart du temps, tu te retrouves à enseigner euh, dans l'Académie de Créteil, dans le 93, sur tes premières années, et dès que tu peux, tu te barres. Sauf que tu te barres rarement avant 5 ans en réalité. Donc, c'est bien parce que c'est toujours de l'argent en plus pour les profs, on ne va pas se plaindre. Mais ça ne résout absolument pas le problème que Nicole Belloubet ici entend résoudre, qui est le fait de fidéliser les enseignants. Ce qu'il faudrait, c'est plutôt au contraire donner une prime aux enseignants et enseignantes expérimentés pour qu'ils aillent enseigner euh, dans le 93, dans l'Académie de Créteil. C'est dans, dans l'autre sens qu'il faudrait faire. Oui. Créteil, c'est le 94. Oui, mais en fait, c'est l'Académie de Créteil qui est à cheval sur le 93 et le 94. On parle d'Académie de Créteil. Tu te trompes, le concours du secondaire est national, ça change rien que tu le passes en Île-de-France ou pas. Ah, vous avez raison. Vous avez raison, mais euh, vous avez raison, mais si tu passes le concours à Bordeaux, on est d'accord que tu te retrouves jamais prof ou, ou ça n'arrive quasiment jamais que tu te retrouves prof à Saint, par exemple. On est d'accord. Enfin, ou c'est rarissime. Si si. Ah ok. <laughs> <laughs> Putain, tous les profs du chat. Très bien. Eh bien, je ne savais pas. C'est la norme Pas du tout rare Eh bien, autant pour moi. Autant pour moi. Assez courant. Ok. J'en connais. C'est selon tes voeux, totalement. Bien sûr que si. Très bien. Eh bien, écoutez, je ne le savais pas, vous voyez. Chat de prof. Totalement, chat de prof. Hein. C'est le scénario classique, carrément, ok. Mais écoutez, vous voyez, comme moi, j'ai fait mes études à Paris, je pensais que c'était la norme pour les Parisiens. J'étais loin de me douter que ce soit vrai également. Dans les autres académies. Non, tu fais ton stage... Ton année de stage à Bordeaux, puis tu vas à Stain. Putain, terrible, hein. C'est le cas, malheureusement. alors, le déracinement, ok, super, quoi. <laughs> C'est vraiment la double peine. T'es déraciné de là où t'habites, et en plus, tu te retrouves dans l'académie la plus dure, quoi. Bon, en tout cas, ça ne... Ça ne... J'ai fait Marseille-Lille. Ah ouais, sympa. <laughs> sympa, les 1000 km. On est content, hein. Brest-Villeneuve-La Garenne. Ah ouais, tout de même, tout de même. Incroyable. Hein. Tu m'étonnes. Non, mais c'est ça. Et après, et après on s'étonne que. Tu vois, c'est ça qui est incroyable. Et après, on s'étonne que les gens veulent pas passer le concours. On s'étonne que les gens veuillent pas passer le concours. <laughs> pas c'est incroyable. Hein. Et en fait, c'est même pas ça. En fait, vous savez quoi C'est derrière, comment tu peux en vouloir aux gens qui passent leur concours d'enseignant dans le privé Parce que pour, pour être enseignant dans le privé, quand t'enseignes en, en, en lycée privé, en lycée privé sous contrat, collège-lycée privé sous contrat, quand t'enseignes en collège-lycée privé sous contrat, si tu es enseignant titulaire, je ne parle pas si tu es contractuel, si tu es enseignant titulaire en collège-lycée sous contrat, tu es agent public, hein, tu es agent de l'État, tu passes un concours, tu passes pas le CAPES, tu passes le CAPEP, qui est l'équivalent du CAPES dans le privé. Et en fait, non seulement le concours est un peu plus facile, enfin un peu moins difficile, parce qu'il y a un peu moins de gens qui le passent. Mais en plus, le recrutement des profs... Attends, est-ce que c'est vrai ce que je dis ou pas En tout cas, c'est euh, plus facile, me semble-t-il, euh, quand tu es enseignant dans le privé, c'est plus facile de choisir ton, ton établissement que, que quand tu es dans le public. Le privé, c'est du recrutement local. Voilà, c'est ça. C'est un peu plus compliqué que ça c'est un peu plus compliqué que ça mais c'est quand même du recrutement local et euh, mêmes épreuves mêmes épreuves mais plus de place voilà exactement et donc vous voyez-y a tu postules dans l'établissement de ton choix dans le privé café égale privé voilà c'est ça c'est ça c'est ça en fait tu postules dans le privé c'est l'établissement qui te choisit voilà c'est exactement ça et donc euh, le concours du privé est un peu plus difficile Ok, hein, aux dernières nouvelles, il est un peu plus facile, mais ça a peut-être changé à, à, au fil des années. Mais vous voyez, regardez, regardez, la folie, regardez la folie de la France. Regardez la folie de la France. Regardez. On s'enorgueillit de notre école publique, de l'école républicaine qui forme des citoyens, les hussards noirs de la République, tout ce que vous voulez. Bien sûr, hein, bien sûr. Bon. Euh, et derrière, on crée des établissements privés. Qui sont, euh, qui sont subventionnés, euh, payés euh, à, à plus de 70% par, par l'État, euh, qui bénéficient en plus euh, du subside, des subsides des familles, qui permettent de faire du tri social. Euh, les, les familles qui ont, euh, qui ont de l'argent peuvent choisir d'envoyer leurs enfants dans le privé pour être entre familles qui ont de l'argent. Mais même. Même chez les enseignants, il y a même maintenant une incitation à être enseignant dans le privé plutôt que dans le public. Parce que quand tu es enseignant dans le privé, tu passes un concours qui est le même. Alors moi, de mon temps, c'était un peu plus facile. Putain, c'est la pub. Ah ouais, ça fait trois heures qu'on est en live. Pub, j'attends. Quelle heure il est là Putain, il est 13 h Terrible. Bon, j'attends. J'attends. Euh, j'ai plus de, j'ai plus de, ouais, j'ai plus de recettes. Je vous ai donné toutes mes recettes de carottes. J'ai plus de, j'ai plus de recettes de carottes. Vraiment, euh... euh... je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans parce que je suis vraiment pas un foodie quoi. Je <laughs> suis vraiment pas, euh... je suis vraiment pas un foodie. Genre c'est, c'est euh... recettes de bolognaise. Mais non, mais moi les amis, je suis. Alors recettes de bolognaise. Oui. Alors si vous voulez faire une bolognaise. Vous pouvez mettre des carottes dedans. Moi, je n'aime pas trop les carottes dans la bolognaise, mais si vous voulez, vous pouvez. Recette de bolognaise, bien sûr, si comme moi, vous êtes végétarien. Vous remplacez, évidemment, cela va de soi, vous remplacez la viande hachée par des protéines de soja. Protéines de soja délicieuses. Vraiment, euh, vraiment, c'est... Comme disent certains, les protéines de soja, c'est délicieux. Donc, euh, vraiment, euh, voilà, je, je vous recommande ça. Je vous recommande, je vous recommande évidemment ça. Incroyable mais vrai. Ou champi. Ah moi je suis pas très... Euh, je suis pas très team champignon. Je suis pas très team champignon, je vous avoue. Des champignons... Des champignons fumés. Ouais, ouais, je sais, je sais, je connais, je connais cette théorie. Je connais cette théorie des, des champignons fumés. Mais je suis pas très team champignon. Tu n'aimes pas... Tous les champignons. En fait, j'aime pas. En fait, je sais que j'ai ce débat. Alors attention, euh, j'ai ce débat. Bolognaise avec des lentilles, c'est très bon. Attends, ça, ça j'ai jamais fait par contre. Bolognaise végée avec des lentilles. Vous dites, vous dites, vous dites tous la même chose. Putain, pas mal. Hein. Ok, 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 ok. La carotte finement râpée dans la sauce remplace le sucre si le coulis de tomate est trop amer. Top. Ah non, mais vous êtes des foodies là. Là, là. là, dans le chat, il y a des foodies, des foodies de malade. C'est incroyable, incroyable lentilles oignons Ah, oignons bien sûr. Lentilles oignons oignons bien sûr. Alors les, les, moi je connais cette théorie de tu peux pas ne pas aimer tu peux pas n'aimer aucun champignon euh, les champignons ils sont tous différents, tout ça, je connais cette théorie. Moi je trouve que les champignons, tu as quand même toujours cette petite consistance euh, spongieuse que je trouve tout à fait détestable, ainsi qu'il y a un type de goût quand même. Il y a un tu vois, tous les champignons, ils ont quand même un goût de champignon, tu vois. Moi, je veux bien le. Non, mais attends, tu te rends pas compte. Entre des bolets et des pleurotes, ça n'a absolument aucun rapport. -dire, tu prends des cèpes tu prends des cèpes tu les coupes en fines lamelles moi bon, c'est totalement incomparable avec le fait de prendre des coulemelles, tu vois alors vraiment attention quoi tu vois genre non les gars en fait c'est parce que vous aimez les champignons vous trouvez qu'ils ont tous le même goût tu vois c'est comme de dire non mais attends t'aimes pas le vin enfin je dis, attends euh, t'as tous les goûts dans le vin tu vois genre ça n'a aucun sens le vin ça n'existe pas tu vois enfin, je dis, genre, entre un vin rouge d'Ardèche un vin rouge de Bordeaux et puis euh, un, un petit rouge avec un cépage sauvignon euh, travaillé en macération euh, de, de... En Alsace, c'est à tous les goûts. Non, les gars, du vin, ça a le goût de vin, tu vois. <laughs> tu vois, le vin, ça a le goût de vin, les champignons, ça a le goût de champignons. Quand tu pas les champignons, tu n'aimes pas les champignons. Quand tu n'aimes pas le vin, tu pas le vin, tu vois. <laughs> Bref, on me l'a déjà fait avec le vin. <laughs> j'aime pas ça, voilà, c'est pareil. Pareil pour le café, mais c'est pareil. Non, mais attends, le café, tu pas le café Non, attends, tout... tu as tous les goûts différents dans le café. Alors. <laughs> Après moi j'aime beaucoup le café et c'est vrai que <laughs> c'est vrai, vrai, dans... vrai que dans le café c'est <laughs> Bref pareil le fromage ah non le f... non le fromage t'as vraiment tous les goûts enfin tu peux vraiment aimer certains fromages et pas d'autres tu vois tu peux vraiment aimer certains fromages et pas d'autres enfin je veux dire, le fromage pour le goût tu vas pas me dire qu'entre du bleu du camembert et du et du comté enfin c'est euh... certes à chaque fois c'est des produits laitiers mais pour le coup, tu peux aimer un et pas les autres. Alors que quand t'aimes pas les champignons, t'aimes pas les champignons, tu vois. <laughs> ouais, peut-être peut que je suis de parti pris, c'est possible. Bref. Euh, on, en était au, au, on en était à l'enseignement dans le privé. Et j'étais en train de, de, de vous faire cette remarque qui est terrible. C'est qu'en fait, aujourd'hui, tu as une prime à venir enseigner dans le privé. Parce que tu es en mesure... D'y choisir ton établissement. Tu as juste à te faire recruter par. Euh, tu as juste à trouver un, un établissement où il y, y a une place et à te faire recruter par le chef d'établissement. Sachant que de toute façon, tu es prioritaire si tu as le concours, si tu as le CAFEP, tu es prioritaire sur les contractuels. Et en fait, c'est quelque chose qui est terrible parce que euh, on organise une fuite des enseignants vers le privé. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, euh, si tu veux devenir enseignant, tu as tout intérêt, en fait, à aller enseigner dans le privé parce que tu auras les mêmes salaires tu seras agent public, tu seras fonctionnaire. Euh, le concours est le même, un peu plus dur, un peu moins dur, bon, il est sensiblement identique. Sauf que, sauf que, tu peux choisir ton établissement. Alors que, et c'est là, c'est vous qui me l'avez appris, je ne savais même pas que c'était possible. Alors que, pas meilleur salaire, je ne crois pas, pour le coup, je ne crois pas. Alors que, quand tu es prof dans le public, tu peux passer ton concours à Lille et te retrouver prof à Stein, tu vois, ce qui est et encore Lille stein à la limite, mais tu peux passer ton concours à Marseille et te retrouver prof à Stein euh, ou, euh, ou à Saint Denis, enfin bon. Et en vrai, c'est c'est il enfin, y, y a une énorme injustice quoi, il y a une énorme injustice en fait. Et après tu t'étonnes, tu t'étonnes de l'état du public aujourd'hui, c'est-à-dire que forcément, bah forcément en fait, tu as, as des profs, tu peux pas leur, tu peux pas leur, leur jeter la pierre, tu vois, tu as des profs qui disent, bah désolé, mais... <laughs> désolé, mais euh, voilà, euh, moi, je suis en couple, j'aimerais bien... J'suis... Tu vois, tu es, es en couple, tu passes le concours, tu as un projet de vie avec ton, 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 ton compagnon ou ta compagne, tu aimerais bien faire un gamin, peut-être t'installer ailleurs, tu vois. Ton compagne ou ta compagnon, c'est quelqu'un qui est très mobile. Tu vois, admettons, tu Admettons tu es en couple avec un médecin par exemple profession très mobile puisque de toute façon le, la France est un désert médical donc quand tu es médecin tu claques des doigts tu t'installes où tu veux. Bon. Tu vois tu es en couple avec un médecin euh, ou quelqu'un qui est en train de faire des études de médecine. Et toi même tu te dis bon allez, c'est le moment de passer mon concours, j'aimerais devenir prof d'histoire ou prof de prof de maths, j'aimerais devenir prof de maths. Est-ce que je passe le concours dans le public ou dans le privé Mais tu as tout intérêt, tu à Paris. Euh, t'habites à Paris mais tu sais que tu as un projet de t'installer un jour, j'en sais rien moi euh, dans le sud. Bon, tu as tout intérêt à le passer dans le privé. Parce que tu te dis, mais si je passe mon concours à Paris et que derrière je vais avoir ma mobilité euh, vers l'académie vers, vers de Marseille, je vais galérer de ouf. Et il va peut-être falloir qu'on retarde de plusieurs années, euh, 5, 10 ans, euh, notre, départ, euh, notre départ dans le sud, le temps que j'ai ma mutation. Alors que si tu passes ton concours dans le privé, tu claques des doigts, tu vas à Marseille, tu, tu fais le tour des bahuts, tu cherches un bahut privé avec un poste de prof euh, libre, et hop, tu deviens prof de maths. Et c'est une énorme injustice, en fait, c'est une énorme prime à devenir prof dans le privé. C'est-à-dire que normalement, la République française devrait valoriser le fait d'enseigner dans, dans, dans son école publique. Celle où vont tous les enfants et, de la République, euh, y compris et avant tout ceux dont les parents ne peuvent pas payer plus cher pour, leurs édu pour leur éducation. Mais non, on a une prime euh, à quitter l'école publique. C est, c est, c est, euh, euh, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Bref, on écoutons la fin de l'interview de, de Nicole Belloubet. pendant dix ans pour aider à la reconstruction des écoles, des établissements. Donc de la. Elle, elle, par, elle parle de, de la Seine-Saint-Denis. Fidéliser nos enseignants en Seine-Saint-Denis. Il y avait également dans ce plan de l'argent 2000 de... Mais même le rapprochement familial, c'est pas automatique. Hein. Il me semble que même en même même marié ou pas que euh, rapprochement familial, rapprochement pour conjoint, c'est c'est pas automatique. Hein. Cette année, mon mari est à Rennes, moi à Caen. Deux appart à payer, projet en pause. Gros ras-le-bol. Ouais, c'est pas automatique. Millions par an pendant 10 ans pour aider à la reconstruction des écoles, des établissements. Donc il y a des efforts qui ont été faits. Nous avons amélioré la carte, euh, l'offre, pardon. Ah, bah il y a des efforts qui ont été faits. Bah c'est bon alors. Alors s'il y a des efforts qui ont été faits, donc les, 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 les lycéens, lycéennes, collégiens, collégiennes qui disent c'est marrant, nous on fait cours sans table. Ouais, mais il y a des efforts qui ont été faits, donc en fait. Si... L'enseignement, on appelle ça la carte dans notre jargon, l'offre d'enseignement dans des établissements en Seine-Saint-Denis pour attirer ou pour maintenir les élèves. Euh, nous avons mis davantage de professeurs, 1500 professeurs supplémentaires dans le premier degré depuis 2017. Et ça ne Bref. Pas. Eh bien, je pense qu'il faut effectivement tenir compte de la singularité de la Seine-Saint-Denis. C'est ce à quoi nous nous attachons en permanence. Ça ne suffit pas. Il faut tenir compte. Vous voyez, il faut. Vous vous souvenez quand je vous ai dit il faut, il faut tenir compte de la singularité de la Seine-Saint-Denis. Euh, c'est ce à quoi nous attachons en permanence. Ouais. Il faut tenir compte de la singularité. Bah, très bien. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, de... ça fait plus d'un mois, que les euh, élèves, parents d'élèves, professeurs de Seine-Saint-Denis euh, sont mobilisés pour dire mais on enseigne dans des conditions qui sont insupportables, des conditions d'insalubrité, des conditions de sous-équipement qui sont insupportables. Mais non, il faut tenir compte et nous le faisons. Bon, bah du coup, il n'y a pas de problème manifestement. Pas. Les primes, ça ne suffit pas, ça se voit. C'est un élément qui n'est pas négligeable tout de même. J'entends ce que vous me dites, que ça ne suffit pas, mais c'est un élément qui n'est pas négligeable, bien sûr. Ce n'est pas cela qui résout l'ensemble des questions. Je travaille avec les collectivités territoriales. J'ai vu Stéphane Troussel et Valérie Pécresse récemment sur les collèges et les lycées. Nous allons essayer d'avoir une action concertée ensemble. Merci Nicole Bilbao. Merci à vous. Bon, ben bah, on ne saura pas. Je vous rappelle qu'on était parti de un jeune, une solution. Hein. C'était ça le début de notre exploration. Moi, j'aurais bien, bien aimé, quand même qu'on interroge Nicole Belloubet sur la plateforme Un Jeune Une Solution. Hein. Si, si vous n'étiez pas là, si vous débarquez, je vous rappelle que les, les collégiens, non, les lycéens, pardon, les lycéens doivent désormais faire un stage obligatoire de seconde. Euh, et cette plateforme, la plateforme Un Jeune Une Solution, euh, a été mise en ligne avant-hier pour euh, Aider les élèves de seconde à trouver un stage, c'était une des promesses, euh, bien sûr, euh, de Gabriel Attal quand il était ministre de l'Éducation nationale. Euh, non seulement il va y avoir un stage obligatoire du 17 au 28 juin, mais pour les étudiants, enfin les élèves qui n'ont pas les moyens via leurs parents de trouver un stage professionnel facilement, on va les aider avec cette plateforme, un jeune, une solution. Et on, on, on a été un peu taquin, voilà, on a été un peu taquin. C'est vrai que on a regardé comment faire pour trouver un stage de qualité. Trouver ici un stage de qualité. Voilà. Donc, je vous le refais. Je vous le refais si vous n'étiez pas là. Admettons, tu habites à Saint-Brieuc, en Bretagne. Voilà. Saint Alors, attendez. Comme le, comme le site est codé, est codé avec le Q, il faut écrire Saint-Brieuc comme ça, sinon, il ne va pas le trouver. Voilà. Voilà. Souvenez-vous, hein, tu habites à Saint-Brieuc en Bretagne, Voilà, il y a deux stages possibles. <laughs> donc tu as deux, deux stages qui chacun ont une place à pourvoir. Hein, donc en fait, pour tout Saint-Brieuc en Bretagne, il y a, y a deux stages disponibles. Un stage à Domino's Pizza pour apprendre la confection de pizza. Euh, et, et un autre stage, si tu veux pas apprendre la confection de pizza à Domino's Pizza, tu as un autre stage chez NB1 qui va te permettre d'apprendre... Euh, la confection de pizza parce qu'en fait c'est aussi chez Domino's Pizza. <laughs> voilà, voilà. Tu connais Saint-Brieuc, je connais, ouais, je connais bien la ville même. Voilà. Donc euh, voilà, souvenez-vous, hein, euh, souvenez-vous, on avait regardé bien sûr, on avait regardé dans la grande et belle ville de Marseille. Ah, à... ah, si, tiens, à Marseille, on a le droit de pas mettre de grand M. Hop, on avait regardé dans la grande et belle ville de Marseille. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, 8 offres de stage pour tout Marseille, j'ai dit tout Marseille, mais attention, n'oubliez hein, pas, j'ai quand même pris Marseille, rayon de 10 km autour de Marseille, hein, quand même, hein. euh, voilà, donc, euh, voilà, si, si tu veux réparer les voiliers, bah, tu peux, euh, voilà, tu peux, tu peux faire réparateur de voiliers, par contre, il y a un, un jeune Marseillais qui va le faire, <laughs> c'est cool, hein, c'est cool euh, voilà, c'est c'est 8 offres de stage, commis de cuisine, ah ça c'est ça c'est bon, euh, aide à la production, travail au sein d'un laboratoire culinaire, ah alors, <laughs> alors, El Famoso Laboratoire Culinaire, donc, euh, est-ce que vous avez envie d'aller en laboratoire culinaire, vous Moi je sais pas pourquoi, mais je sens la douille, perso. <laughs> perso, je sens un peu l'arnaque, laboratoire culinaire, alors, <laughs> je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça pue. <laughs> Le El Famoso Laboratoire Culinaire, j'ai l'impression que tu vas peu, peu laboratorer et surtout, et surtout culinérer, tu vois. La bonne grosse cuisine collective, voilà, c'est plutôt ça, tu vois. <laughs> voilà, donc, mais euh, bon, en tout cas, il y a, y a une personne qui va pouvoir découvrir euh, le monde de l'entreprise en, en laboratoire culinaire, c'est quand même pas mal. Euh, institut Fresnel, bon, ça, c'est pas déconnant. Oh, des coutures et création de costumes, ça c'est stylé, ça. Oh Deux jeunes, deux jeunes à Marseille qui vont pouvoir suivre les étapes pour faire un costume ou un accessoire de costume. Incroyable, incroyable. Les cosplayers, là, les cosplayers de Marseille, c'est le moment, c'est le moment. Euh, incroyable. 9h16, h en plus c'est à Marseille même, non c'est bien, c'est bien, non c'est bien, c'est bien. Là, euh, bon, il n'y a que deux places, mais c'est bien. <laughs> Je fais des chapeaux de cow-boy. Voilà. Euh, sinon, les autres, ils vont aller synthétiser des pizzas, puis surtout les autres, ils vont se, ils vont se débrouiller, hein, bien sûr. Hein. Technicien de l'instance. Ah, il y a deux places, là. Deux places pour, euh, pour travailler au sein d'ENGIE. C'est pas mal. Donc, euh, tu vois, il voilà, y, y a quoi euh, On va quand même regarder, parce que on va pas... Institut Fresnel, il doit y avoir quoi 20 ou 30 places Ah non, deux places, pardon, pardon. Deux places pour l'Institut Fresnel, euh, pour, euh, pour travailler dans la, dans la recherche. Enfin, la recherche, hein. Je regarde, hein, euh... Ah ouais c'est vraiment pas c'est pas Jojo quand même hein. une place ici alors à Marseille tu as littéralement attendez vous savez quoi on va, on, va, on va les compter on va, on va on va les compter sérieusement donc deux putain par contre le site est codé avec le cul c'est tellement long attendez c'est pas grave je tant pis je quitte le plein écran hop vas-y on va, on va se le faire avec les onglets parce que sinon sinon on va pas s'en sortir voilà j'ouvre tout hein. j'ouvre les huit stages. on va les compter on va les compter donc à Marseille on a deux places pour la création de costumes. Hop là. Euh, chauffage, ventilation, deux places. Donc quatre places en tout. Euh, Bafa, animateur de Bafa, euh, une place. Donc on en a cinq places. Je compte, hein, je compte. Architecture stylée. <laughs> alors, alors, moi je sais pas. Moi je serais vous, euh, étudiante, enfin euh, lycéen, un lycéenne, marseillais, marseillaise. marseillaise J'irai pas là. Parce que là, tu vois, il y a juste marqué architecture, information sur le, sur le stage. Je souhaite faire deux architectures. <laughs> voilà, je souhaite faire deux architectures. Moi, je ne sais pas vous, mais euh, perso, j'ai pas confiance. Perso, j'ai mes doutes là. <laughs> Moi, si tu veux, euh, un maître de stage qui écrit Je souhaite faire deux architectures, euh, je ne lui fais pas trop confiance pour être un bon maître de stage. Bon, mais admettons, ça fait une sixième place. Écoutez, de toute façon, y en a, y, on va, ne on va pas bouder notre plaisir. Euh, on les compte sur les doigts des deux mains, les places à Marseille. Euh, voilà, tu as une sixième place. C'est bon, tu vas pas râler. Alors, réparateur de voilier, bon, bah c'est notre septième place, ça c'est stylé, bien sûr. Euh, pharmacien, préparateur, gestionnaire, back-office, observation d'un métier de santé de proximité. C'est pas mal, c'est bien rédigé. Allez, hop, ça c'est notre huitième place. Ah, est-ce qu'on a plus de. Oh Alors, ça c'est l'Institut Fresnel, là. Tu vas, faire, euh, tu vas faire des échanges avec les chercheurs. Non, ça a l'air bien. Hop, toc, 10 places et. Last but not least, bien sûr, comité cuisine. Ah, voilà, tout à fait. Le laboratoire culinaire, hein, tout à fait. Euh, la onzième place. Donc, euh, à Marseille, n'est-ce pas, ville de 800 000 habitants, euh, nous avons euh, <laughs> nous avons 11, 11 places de stage grâce au, 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 au site bien nommé Un jeune, une solution. Hein. Mais ça tombe bien parce que tout le monde sait qu'il y a 11 lycéens, lycéens de seconde à Marseille, donc tout va bien. Voilà. Hein <laughs> bon, allez, euh, on finit ce stream avec. Euh... <laughs> Je serai très loin des prothèses mammaires, nous dit Olivier Véran, désormais médecin esthétique. Ah <laughs> On, on, on l'avait pas vu venir celle-là, la citation Goldé. <laughs> On ne l'avait pas vu venir, celle-là, sans transition. Sans transition, bien sûr. Euh, Olivier Véran, « Je serai très loin des prothèses mammaires. Alors, euh, Olivier Véran, ici, en 2023. Alors ça, c'est Hall de Véran. Hein. Ça, attention, hein, je, je, sors du, je quitte le plein écran. Ça, déjà, euh, sachez que ça, c'est Hall de Olivier Véran. Euh, c'est sa, sa forme antérieure, antérieure hein, puisque euh, Olivier Véran, maintenant... Attendez, je le, je le cherche en, en image. Hein. Maintenant, on a, on a le New Olivier Véran. Attendez. Ah, voilà, voilà. Ça, c'est le New Olivier Véran. Le New Olivier Véran. Euh, photo photo du, du, du Dauphiné libéré. Attendez, vous, vous, je dis ça, mais. Voilà, 20 ma... Voilà, regardez, regardez. <laughs> non, je ne suis, suis, suis pas abonné. Ah, mais j'ai le droit de le lire quand même. OK. Voilà, regardez. Ça, c'est le New Olivier Véran. Le New Olivier Véran, euh, il, il, il a un t-shirt blanc, blanc sous sa veste. Alors, alors euh, point, point, point évidemment euh, point fashion. Euh, le t-shirt blanc sous la veste. Moi je dis oui. Moi je dis que as le droit. Moi je dis que as le droit. Mais euh, là on est sur un t-shirt qui est vraiment trop fin. Euh, petite encolure. Tu vois le. Olivier, Véran. Allez, il est bien repassé son t-shirt, mais tu vois, il s'assoit. Bon déjà la veste, euh, quand ta veste, elle fait ça derrière. Déjà quand ta veste, elle fait ça derrière le cou, c'est une honte, tu vois. même on... allez, allez, ainsi soit-il, ça arrive. Mais tu vois, en colure un peu trop courte et puis surtout, tu vois, ça plisse, genre le, le t-shirt est d'un grammage pas suffisant. Donc je vous donne, je vous donne le tips. Si vous voulez porter, je vous donne le tips. Hein. Si vous voulez porter un t-shirt sous votre veste, ce que moi j'ai fait très longtemps, je le fais encore, ça m'arrive. Je vous donne le tips, il faut un t-shirt avec un gros grammage. Donc, il faut un t-shirt avec un coton épais. Parce que du coup, ton t-shirt va bien tomber et, et ça donne pas cet effet-là qui donne tout de suite. Vous voyez, là, ça fait tout de suite euh, mal fringué, mal sapé. Voyez euh, ça fait tout de suite. Euh, je, je prends pas soin de moi, tu vois. Alors que si tu as un beau t-shirt bien épais, avec un bon grammage bien épais, boum, ça tombe bien, tu vois. Après, il faut trouver les t-shirts bien épais. Et alors là, là, ça, ça, là c'est la galère. Là, c'est la galère. Euh, là, c'est compliqué. Euh, J'ai je, 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 deux fournisseurs, mais je peux, vous en, je peux vous recommander aucun des deux. Parce qu'il y en a un où le t-shirt est à 70 balles. Donc, euh, bon, comment te dire que voilà. Et l'autre, le t-shirt est fait en Chine. Donc, comment te dire que voilà. Euh, le t-shirt d'asphalte est super. Je le connais pas. Euh, je le connais pas. Mais en tout cas, voilà. Sachez, sachez que euh, si, vous voulez, si vous voulez porter des t-shirts sous votre veste, tips chercher des t-shirts avec un vrai gros grammage, il faut vraiment que le t-shirt il soit lourd quoi. Là là ça donne. Voilà. Mais donc ça c'est New Véran, vous voyez? New Véran, euh, il porte maintenant un, un, il porte maintenant. Alors attendez là il parle du RN, il parle que du RN, donc on s'en fout. New Véran, euh, il est, il est. Il est oui. euh, si vous regardez euh, Olivier Véran quotidien, il était chez Quotidien il y a trois semaines. Voilà Olivier Véran chez Quotidien, image. Vous voyez il avait déjà euh, c'était déjà New Véran, vous voyez, hop là, regardez-moi ça. D'ailleurs, exactement la même veste et le même euh, t-shirt même, euh, même d'ailleurs, exactement. Ça c'est le c'est le New Véran, n'est-ce pas Bon, alors, donc Old Véran. Est-ce que vous saviez Est-ce que vous saviez que Olivier Véran, redevenu député, avait annoncé que euh, il allait consacrer un jour par semaine à Olivier Véran médecin, médecin neurologue. Olivier Véran a annoncé que il allait consacrer un jour par semaine à son activité médicale ce qu'il faisait déjà entre 2012 et enfin ce qu'il faisait déjà entre 2012 et 2019, je crois. Olivier Véran, me semble-t-il, rentre au gouvernement vers 2019 à peu près. Euh, non, non, non. Olivier Véran rentre au gouvernement en 2020. En fait, c'est très simple. Il rentre au gouvernement au moment de la crise Covid. Donc Olivier Véran rentre au gouvernement en 2020 et donc entre 2012 Premier mandat d'Olivier Véran, sachez-le. Hein, si vous ne le saviez pas, Olivier Véran, premier mandat de député entre 2012 et 2017, il était euh, député socialiste euh, dans la majorité de, de François Hollande. Et entre 2012 et euh, 2020, Olivier Véran a continué d'exercer un jour par semaine son métier de neurologue à l'hôpital, ce qui est tout à fait normal. Euh, C'est-à-dire que quand tu es médecin, et c'est un argument qui va employer d'ailleurs, mais vous allez voir la suite va vous surprendre, quand tu es médecin. C'est tout à fait normal que tu continues à exercer un jour par semaine, tout simplement pour ne pas perdre la main, euh, ne, ne, ne pas perdre le contact avec l'évolution euh, du monde médical, des techniques médicales, des recommandations, des papiers scientifiques. C'est un métier, le métier de médecin qui est très technique. A fortiori, tous les métiers de médecin sont des métiers très techniques. Mais a fortiori, les métiers de spécialistes euh, qui potentiellement peuvent opérer. Après neurologue, tu n'es pas neurochirurgien, donc je dis de la merde. Mais en tout cas, les métiers de spécialistes type type neurologue, c'est des métiers qui sont très 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 très, très techniques. Euh, et donc, c'est tout à fait audible de dire, bah moi, je veux bien faire député, mais je considère que la politique n'est pas mon métier. C'est un mandat. J'aimerais bien pouvoir retrouver mon métier à la fin de mon mandat politique. Et donc, pour ce faire, je suis obligé de garder la main, ok Donc, euh, ne, ne, ne soyez pas prompt à fustiger les cumulards, euh, c'est tout à fait normal et souhaitable qu'un médecin continue d'exercer la médecine pendant son mandat de député, c'est même louable. Euh, alors, certes, ça permet de faire un petit cumul de salaire, mais en fait, c'est pas la question, c'est même pas... Déjà, un, je sais pas dans quelle mesure ça permet ou pas de faire un cumul de salaire, déjà, un. Et deux, euh, si, 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 si vous souhaitez, ce qui est, en, en ce qui me concerne, mon cas... Euh, si vous plaidez pour que la politique soit euh, une vocation, un mandat, un honneur, mais pas un métier, il faut euh, accepter que euh, quand tu es élu et que tu exerces par ailleurs une profession technique, il faut accepter que, à côté, tu continues d'exercer pour gagner, garder la main. C'est tout, tout à fait normal. Donc, Olivier Véran avait continué d'être neurologue entre 2012 et 2020, devenu ministre de la Santé. Bon, bah. Il avait cessé d'exercer, ce qu'on peut, qu peut comprendre. En plus, il a eu à gérer le Covid, c'est-à-dire qu'on imagine qu'il avait quand même d'autres choses à faire. Bon, ensuite, euh, il est devenu ministre, euh, porte-parole du gouvernement et ministre euh, du renouveau démocratique. Alors, bon, il n'a pas brillé dans sa nouvelle fonction. Et là, il n'exerçait plus son métier de médecin, mais à la, à la limite. Alors tu vois, tu me diras, t'en as, as qui arrivent à écrire des livres euh, de plusieurs centaines de pages et un par an pendant qu'ils sont ministres de l'économie. On peut dire qu'Olivier Véran, pendant qu'il était porte-parole du gouvernement et ministre du renouveau démocratique, ce qui est quand même pas les ministères les plus prenants. Ça l'est, hein. c'est prenant, c'est un vrai travail. Mais bon, on peut, on peut dire que vous voyez, je serais moins choqué par le fait qu'un ministre, euh, un port le porte-parole du gouvernement, par ailleurs, bon, ministre du renouveau démocratique, c'est bullshit, hein, ça veut rien dire. Hein. C'est responsable du fameux Conseil national de la fondation. Vous savez. Moi, je suis moins choqué que le, le porte-parole du gouvernement continue de contribuer à soigner les Françaises et les Français, plutôt que le ministre de l'économie euh, euh, consacre un tiers de son temps à écrire un livre par an. Tu vois. Bizarrement, ça me choque moins. Mais bon, allez, qu'est-ce que c'est après tout Donc, Olivier Véran redevenu député annonce qu'il va reprendre son métier de médecin et on ne peut pas lui reprocher, au contraire, c'est plutôt bien. Mais <laughs> il annonce qu'il change de spécialité et qu'il va rejoindre la clinique des Champs Élysées spécialisée en médecine et chirurgie esthétique. Ah, <laughs> ah, donc, euh... Donc, euh... donc, 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 d'accord. Donc en fait, il va retourner exercer la médecine, mais la médecine euh, esthétique, la médecine de confort, au sein de la très prestigieuse clinique des Champs-Élysées. Si vous ne le savez pas, c'est la clinique des influenceurs et influenceuses. Hein. Tout à fait, hein, bien sûr. Hein. Note le Gorafi. Ah oui, c'est vrai qu'il faut préciser, notre Goraphie, hein, C'est le vrai article du Parisien. Donc voilà, si vous ne le saviez pas, là, on est quand même... <laughs> on est quand même sur... Euh, voilà, une... une <laughs> on est quand même sur une roublardise que l'on apprécie sur cette chaîne, hein, bien sûr. Mais bon... Alors, bien sûr, il euh, y a, alors ça c'est Hall de Véran, hein. Bien sûr, il s'est fait, il s'est fait un peu, euh, il s'est fait un peu chahuté. Il s'est fait un peu chahuté. Bon, on va lire le papier du Parisien, euh, dans lequel, euh, alors c'est un, c'est pas c'est pas une interview, c'est un papier hein, rédigé par Nicolas Béraud et euh, c'est un papier dans euh, lequel on a des citations de Olivier Véran. Alors. Il sort à peine de la clinique des Champs-Élysées, un établissement parisien réputé spécialisé en médecine et chirurgie esthétique, Olivier Véran y a observé ce jeudi 21 mars après-midi des praticiens en train d'exercer sur des patients une cicatrice d'acné sévère traitée par radiofréquence, un abdomen affaissé chez une jeune maman traitée également par radiofréquence, des poches de graisse sous-cutanée chez un patient qui doit mérir beaucoup, traitée par cryolipolyse, décrit-il. <laughs> bien sûr, bien sûr, la clinique des Champs-Elysées, comme chacun, comme chacun sait, ça n'est que de la médecine réparatrice. Attention, ça n'est que de la médecine réparatrice. Regardez bien ce que dit Olivier Véran, il n'y a pas du tout d'injection de botox, il n'y a pas du tout de rhinoplastie. Pour pour les gens qui veulent se refaire le nez, il y a, après tu peux faire une rhinoplastie pour des questions de, de, de médecine réparatrice, hein. c'est y compris de réparation euh, psychologique si tu vis très mal, enfin pas de pas de, pas de cheming, y a pas de, tout, chacun fait ses choix bien sûr, hein. y compris vis-à-vis -vis de la de la, du, de la, de la de la médecine esthétique. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce que cite Olivier Véran, et d'ailleurs, probablement qu'il a demandé à assister à ce genre d'opération, hein, dans ce que cite Olivier Véran, il n'y a que de la médecine réparatrice, alors que la clinique des Champs-Élysées, c'est vraiment une clinique où tu fais injection de Botox et, et compagnie. C'est-à-dire pile de la médecine de, de confort, quoi. Vraiment euh, plus que de confort, c'est même pas de confort, c'est de, de pur esthétisme. Le début d'une reconversion comme médecin esthétique pour ce neurologue de profession qui s'attire les foudres de la communauté médicale et soignante. Les gens ont le droit d'avoir un avis, mais quoi que je fasse, il y aurait eu des critiques. Réagit-il auprès du Parisien Alors ça, ça c'est totalement fallacieux évidemment comme argument. De toute façon, on m'aurait critiqué, donc je fais ce que je veux. Euh, non, enfin, c'est purement assertif. De toute façon, il y aurait eu des critiques. Euh, je crois que personne n'aurait critiqué Olivier Véran s'il avait choisi de reprendre son poste de médecin neurologue euh, à l'hôpital. Enfin, je ne vois pas en quoi c'eût été critiquable. Enfin, je ne vois pas en quoi on aurait... Je ne vois pas qui, alors que la France est un désert médical, alors que on a des besoins cruels de médecins, notamment de spécialistes, je vois pas qui aurait pu critiquer Olivier Véran s'il avait dit « bah, je reprends mon métier qui est un métier de neurologue hein. ». Réagit-il auprès du Parisien Donc ça, totalement fallacieux, hein, évidemment. Hein. C'est vraiment... C'est un pur... Euh... C'est tout à fait, fait c'est même pas un incantatoire, hein. c'est purement assertif comme, comme phrase. il dit ça, c'est impossible de le démontrer et c'est probablement faux. En tout cas, ça, selon toute vraisemblance, il n'aurait pas été critiqué s'il avait dit Bah oui, je reprends mon taf de médecin, c'est -ce bon, mon métier. Et il me semble que c'est utile pour les patients. « L'ancien porte-parole du gouvernement a obtenu un feu vert de la HATVP, la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique, qui a écarté tout risque déontologique ou de prise illégale d'intérêt dans son avis rendu public ce jeudi. » Donc là, le problème, effectivement, hein, c'est pas un problème de, de prise illégale d'intérêt, encore que d'ailleurs, mais euh, c'est beaucoup plus une question d'éthique de, de, personnelle, hein et de déontologie personnelle. Et, et dé, C'est plus une question en réalité de déontologie médicale que de déontologie euh, politique. C'est-à-dire que, que la haute autorité de transparence de la vie publique ne voit pas un problème de déontologie en termes politiques, on peut tout à fait le comprendre. C'est-à-dire que ça ne pose pas de problème politique euh, direct. Que Olivier Véran euh, prenne un poste comme médecin esthétique. On ne voit pas en quoi. Euh, pas plus que si euh, un chirurgien esthétique ou un médecin esthétique était élu député et continuait d'exercer un jour par semaine. Il dirait bah, Les gars, c'est mon métier, on lui dirait tout à fait. Bon, Donc ça pose pas un problème de déontologie politique, mais ça pose un problème de déontologie médicale. Est-ce que quand tu, as une, quand tu as non seulement une compétence, parce que c'est ça, attention, quand tu as non seulement une compétence dans un domaine. Euh, dont le service public de la santé a cruellement besoin, c'est-à-dire la neurologie. Mais de surcroît, quand tu as acquis cette compétence aux frais de la nation française. Parce que qui a payé. Pardon, hein. qui a payé les études de neurologie d'Olivier de Véran <laughs> Je pose, pose la question. Je pose la question. Qui a payé les études de neurologie d'Olivier de Véran bah, C'est vous et moi. Hein. Euh, le. le... Les, les études de médecine sont gratuites en France, enfin, sont gratuites, tu payes des frais de scolarité comme partout à la fac, mais qui n'ont absolument rien de commun avec ce que coûte en réalité la formation. Donc, euh, c'est Bibi qui paye <laughs> Comme dit Emmanuel, c'est Bibi qui paye, donc c'est nous, collectivement, qui avons payé... Pour que Olivier Véran fasse partie de notre cohorte de neurologues, et c'est très bien. C'est très bien qu'on ait payé pour ça. On a besoin de neurologues. Moi, je suis très heureux que mes impôts servent à payer les études de médecine des, des futurs médecins et notamment des futurs médecins neurologues. Mais que un neurologue qui exerce une profession euh, capitale en termes de santé publique, euh, une profession utile pour le service public de la santé pour les citoyennes et les citoyens françaises et français, euh, dont les études ont été payées. Par les citoyennes euh, françaises et français que ce neurologue subitement décide de devenir médecin esthétique, déjà, ça pose un problème de déontologie médicale. Vous allez me dire oui, mais si Olivier Véran n'était pas député, ça poserait pas de problème. Bah, manque de peau, il l'est. Donc, en tant que représentant de la nation française, il devrait avoir un, un devoir d'exemplarité en ce qui concerne justement l'utilisation de l'argent public. Euh, effectivement, qu'un médecin neurologue décide de se reconvertir en, en médecine esthétique, bon bah tu peux pas l'en empêcher, tu peux le critiquer, mais tu peux pas l'en empêcher, c'est son, son droit le plus absolu après tout. Euh, par contre, quand c'est quelqu'un qui a été ministre de la santé, euh, qui est encore député, représentant de la nation française, qui a une connaissance précise et euh, approfondie des besoins cruels de la France en matière de médecins. Là, ça pose un problème éthique et déontologique médical, pas politique, qui me semble qui me semble tout à fait tout à fait clair. Et c'est pas fini. Gardez ça en tête parce que c'est pas c'est pas fini, c'est pas euh, le la, la moindre le moindre des problèmes. Euh, mais on peut passer d'une spécificité. Alors euh, meurt à la fin, il meurt à la fin qui demande. Mais on peut passer d'une spécialité à une autre aussi facilement que ça en médecine. C'est effectivement une bonne question, c'est effectivement une bonne question, euh, on va tenter d'y répondre. Mais si une esthétique n'est pas une spé euh, Absolument, absolument. Je sais pas d'ailleurs, j'en sais rien, c'est quelqu'un qui dit ça, mais je sais pas, c'est peut-être une, une info de chat. Alors on va voir, on, on continue, on continue, hein. vous, allez voir, vous allez voir, vous allez voir, ça va devenir goldé, ça va devenir goldé. Hein. Reste, reste que ce choix privé de carrière a tout pour surprendre. Ils sont gentils, les Parisiens. <laughs> L'ancien ministre de la, de la Santé, ah, ils sont, ils sont gentils sauf qu'ils sont méchants. Enfin, sauf qu'ils ils disent des choses. Chargé notamment de lutter contre les déserts médicaux, qu'il disait en 2021 vouloir abolir d'ici à peu près 5 ans, quitte son secteur d'origine, la neurologie particulièrement sous-dotée. L'ancien député socialiste qui soutenait François Hollande lors de ses premières années de militant PS en 2012 s'apprête aussi à exercer dans un secteur particulièrement lucratif, c'est-à-dire qui rapporte beaucoup d'argent. Quand on a vu ça, on a cru que c'était le gorafi. C'est son choix personnel dont acte. Mais quand un homme politique a été confronté, voilà c'est exactement ce que je dis. Euh, c'est son, son choix personnel dont acte, mais quand un homme politique a été confronté aux difficultés d'accès aux soins, il est évident que l'on attend de lui une cohérence dans son engagement et une exemplarité. S'agace le président de la section santé publique de l'ordre des médecins, Jean-Marcel Mourgue, que cette reconversion laisse pantois et dans l'incompréhension et la consternation. Dermatologue, gynécologue, généraliste, Olivier Véran reflète une tendance beaucoup plus large de médecins qui se tournent vers l'esthétique. Souvent pour gagner davantage. Mais là, ce choix génère un problème de crédibilité de la parole publique. Juge le praticien, c'est tout à fait vrai. Sur les réseaux... Et en fait, il y a un problème supplémentaire, on y vient. Sur les réseaux sociaux, de nombreux médecins n'ont pas caché leur stupéfaction. Quand on a vu ça, on a cru que c'était le Gorafi. Quand on connaît la crise sanitaire que l'on vit avec des patients qui mettent des mois et des mois pour obtenir des rendez-vous auprès de spécialistes, que ces, cho so ces choses-là sont les conséquences des politiques qu'a menées M. Véran, on a quand même le courage de rester dans son métier. Attaqué sur RMC, Jérôme Marty, président de, du syndicat Union Française pour une médecine libre. Lors de son précédent mandat à l'Assemblée nationale, avant d'intégrer le gouvernement, Olivier Véran exerçait comme neurologue un jour par semaine. Redevenu simple député depuis le début de l'année, il dit avoir voulu remettre la blouse. La neurologie a beaucoup évolué dans l'intervalle. Et le fait d'avoir été ministre compliquait psychologiquement la relation avec les patients que l'on suit souvent sur la durée, avance-t-il. Ah Alors euh, hop, ok. Euh, attendez, je regarde un peu. Ok, donc ce qui est, ce qui est intéressant dans. J'essaie de lire le papier en même temps de, de lire ce que vous dites. Il y a la spécialité esthétique et réparation. Mais là, on parle de médecine esthétique seulement, qui est une spécialité douteuse de la médecine. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire tu dois avoir une spécialité esthétique euh, en chirurgie de réparation. C'est ce que dit euh, Maiki. Sur le, sur le chat. Donc voilà, c est, c est, ça ne m'étonne pas. Tu as, as une spécialité pour faire de la chirurgie réparatrice. Mais là, on parle de médecine esthétique, c'est-à-dire injection de Botox et compagnie. Euh, hop. Il était neurologue ou psychiatre. Voilà, alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Parce que là, on a deux arguments. On a un premier argument qui dit, ouais, mais la neurologie a beaucoup évolué dans l'intervalle. Euh, soit, mais... <laughs> mais la médecine esthétique, c'est censé quand même être justement une autre spécialité. Donc, si Olivier Véran va avoir le temps euh, nécessaire pour euh, apprendre une nouvelle spécialité, spécialité avec des guillemets peut-être, mais spécialité quand même. Si Olivier Véran va avoir le temps d'apprendre une nouvelle spécialité, une nouvelle pratique, peut-être aurait-il eu le temps de rattraper ce qui avait évolué en quand même 4 ans, 2020-2024. Bon. Euh, ça, ça, fait, ça fait un peu, mais 4 ans, tu vois, 4 ans, t'as pas arrêté d'exercer pendant 10 ans, tu vois, ou 20 ans, t'as arrêté d'exercer pendant 4 ans, tu vois, il peut peut-être rattraper son retard en, en, en neurologie, c'est peut-être pas plus long de rattraper le retard qu'il peut avoir pris en neurologie plutôt que d'apprendre une nouvelle spécialité, tu vois, déjà premier truc, et puis cet argument qui est quand même un peu bizarre. Le fait d'avoir été ministre compliquait psychologiquement la relation avec les patients que l'on suit souvent sur la durée. Mais alors, on peut comprendre que ce soit bizarre et inconfortable quand t'as été le ministre de la santé de te retrouver avec des euh, euh, des simples citoyens du jour au lendemain devant toi qui viennent qui viennent se faire soigner. Mais mais en fait non, tu vois. <laughs> tu leur dis juste bah oui les gars, je suis neurologue. Enfin genre si un moment donné si t'assumes pas ça, si t'assumes pas d'avoir été ancien ministre, bah tu <laughs> tu, tu... Enfin, je, comp je comprends même pas l'argument en fait j'arrive <laughs> même pas à comprendre l'argument et surtout le que l'on suit souvent sur la durée t'es là mais en quoi alors pour le coup que, que ce soit que ça puisse être un peu bizarre un peu inconfortable de te retrouver nez à nez avec des citoyennes et citoyens déjà déjà ça donne quand même une idée de déconnexion mais, mais surtout euh, c'est quoi le rapport avec la durée tu vois bon. alors attendez hein. parce que le, le, le plus scandaleux on n'y est pas encore accrochez vous le plus scandaleux, on n'y est pas encore, je ne sais pas si, dans, si ça va être dit ou insinué dans le, dans le papier. Après réflexion, il décide de se tourner vers le bien-être et l'esthétique. Alors c'est vrai que chez Quotidien, il avait dit euh, « je vais redevenir médecin, mais je vais, je vais changer de spécialité, je vais me tourner vers une médecine qui est plus en prise avec le bien-être ». Il avait dit ça, hein. il avait dit « je vais rejoindre une médecine plus en prise avec le bien-être ». Bon, <laughs> il va donc faire des injections de Botox. L'ancien ministre s'entretient alors avec des responsables de la clinique des champs élysées <coughs> Un établissement où exercent des médecins et des professionnels formés qui lui ouvrent volontiers ses portes. Tiens donc, je <laughs> putain, la citation, la citation, elle est goldée. Elle est encore mieux parce que souvenez-vous, hein, je serai très loin des prothèses mammaires. C'était déjà rigolo comme citation, mais attendez, celle-là, elle est quand même géniale. Je ne toucherai ni à des pénis ni à des fessiers. C'est l'ancien ministre de la santé qui a dit ça. Non, mais vraiment. Il y, a des gens qui, il y a quand même des gens qui se font une idée tout à fait particulière de la dignité. <laughs> genre, tu prononces cette phrase après avoir ouais, été ministre, alors putain. L'établissement privé, prisé par de nombreux influenceurs, diplo dispose de trois sites à Paris. Il propose des interventions auréolées de la French Touch. Putain, cette signature glamour, discrète, naturelle et raffinée, si recherchée en esthétique. Donc c'est super. Alors tu vois, alors c'est super. Donc là, déjà... Déjà, un, euh, attention, hein, attention. il va y avoir un indice dans ce qu'on va dire dans la suite, mais déjà, tu vois, on est dans un papier publié dans le Parisien, un papier très lu, très suivi, parce que, évidemment, Véran qui fait de la médecine esthétique, tout le monde en vit lire le papier. Eh bien, euh, ce papier permet euh, au directeur de la clinique des Champs-Élysées de faire déjà sa pub gratuitement. C'est quand même incroyable, regarde. Euh, Il propose des interventions auréolées. De... Après, bon, le Parisien n'était pas forcé de reprendre la citation in extenso. Bon, ça, c'est leur choix journalistique. Il propose des interventions auréolées de la French Touch, cette signature glamour, discrète, naturelle et raffinée, si recherchée en esthétique. Se gargarise la clinique, la clinique sur son site. 50 de ses patients clients ont moins de 35 ans et 35 sont des hommes. 5 étages, plus de 5500 interventions par an, 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont notamment réalisées des augmentations mammaires, des lipotutions ou encore des phalloplasties, c'est-à-dire des opérations pour augmenter la taille du pénis. Enlarge your pénis Souvenez-vous des mail-chains Enlarge your pénis à la fin des années 90, début des années 2000. Eh bien voilà Si certains, certaines, certains plutôt d'entre vous. Euh, D'ailleurs, non, ne présumons pas, veulent faire augmenter la taille de leur pénis, veulent enlarger leur pénis, eh bien, ils peuvent aller, euh... <laughs> ils peuvent aller à la clinique des Champs-Élysées. Alors, est-ce que, est que vous aurez le privilège de voir Olivier Véran devant vous Pas sûr, mais Olivier Véran assure qu'il ne fera rien de tout cela qui relève de la chirurgie esthétique. Je ne toucherai ni à des pénis ni à des fessiers et je serai très loin des prothèses mammaires, ironise-t-il. Lui compte se consacrer à la médecine esthétique, alors c'est normal hein, ça demande moins de moins de compétences, euh, en tout cas moins de compétences techniques. Avançant le chiffre de 15 de Français qui en bénéficieraient et assure ne pas savoir combien il gagnera. <laughs> non mais sérieux. Et assure ne pas savoir combien il gagnera pour cette journée hebdomadaire. Alors j'ai négocié mon, mon contrat, voilà, je, je suis recruté, c'est bon, je vais faire euh, un jour par semaine à la clinique des champs élysées voilà, tout à fait. Euh, je sais pas combien je gagne par contre, j'ai. Euh, ouais, j'ai. Euh... Non, j'ai oublié de demander. Non, je, bon, ça m'intéressait pas trop. Bon, euh, non, c'était. Euh, vous savez, moi je fais pas ça pour l'argent, moi je fais ça pour pour le bien-être. Non, j'ai pas demandé. Combien je gagne Je sais pas. Je sais pas, euh, José, tu sais, euh, non, tu sais pas non plus, mais bah, je sais pas, je sais pas combien on est payé, je sais pas, euh, <laughs> ce sera la surprise, écoutez, on verra bien, on verra, oh, je pense que c'est pas beaucoup, de toute façon, un jour par semaine, non, c'est pas énorme, non, pas. Pas énorme, non, je sais pas, oh, vous savez, euh, voilà, de toute façon, c'est vulgaire aussi ces questions-là que vous posez, ça c'est bien français, ça, voilà, t es, t es dans l'initiative, tu es dans la volonté d'entreprendre, euh, tu veux progresser, tu veux t'améliorer, tu veux contribuer, et là les gens sont là, oui, combien tu gagnes, Mais je sais pas, coco, je vais pas demander, c'est pas pour ça que je fais ça... <laughs> Putain mais quel foutage de gueule ils ont, ils ont ils ont peur de rien mais moi je trouve moi je trouve que c'est beau <laughs> Moi pardon pardon mais à, à ce niveau-là moi je trouve que c'est beau moi je trouve que c'est euh, c'est poétique moi pour moi ça c'est poétique moi je vois ça moi je vois ça comme une performance artistique <laughs> Moi je vois ça comme une performance artistique perso franchement <laughs> À ce, niveau, à ce niveau de foutage de gueule, pour moi, c'est du stand-up. Genre, tu dis ça sur scène, les gens, les gens rient, tu vois. Le don de soi, c'est ça. Bien, sur son site, la Clinique des Champs-Élysées évoque tout un tas de pratiques pour traiter la cellulite, raffermir la peau ou encore amincir la silhouette. La médecine esthétique, qui pourrait être mieux encadrée via une formation interuniversitaire à l'avenir, n'est pas une spécialité médicale reconnue en tant que telle. L'ancien ministre est en train de passer des diplômes à la faculté de santé de Créteil. Pas de quoi convaincre Jean-Marcel Mourgue, donc euh, souvenez-vous qui, est, euh, qui euh, représente l'ordre des médecins. Quand il sera de nouveau amené à débattre de l'accès aux soins, il sera clairement en difficulté. C'est sûr. Euh, ce qui est intéressant, c'est ce euh, évidemment pourquoi, euh, pourquoi Olivier Véran est-il recruté par cette clinique C'est ça la question qu'il faut poser. C'est-à-dire que genre, la clinique des Champs-Élysées, ils ont des médecins on peut imaginer qu'ils aient des médecins on peut, on peut même imaginer qu'il doit y avoir des chirurgiens esthétiques. Euh, ou alors euh, des, des médecins généralistes, mais qui sont jeunes, qui sortent de formation, qui, qui, euh, qui, qui ont, ont déjà euh, euh, la compétence la plus, euh, la plus neuve euh, et donc la, la plus actuelle possible. Après, tu, les médecins se forment évidemment tout au long de leur vie, donc ça ne veut rien dire, et puis ils gagnent en expérience aussi, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la, la clinique des Champs-Élysées, elle avait... Probablement d'autres choix de recrutement qu'Olivier Véran, y compris des choix de recrutement qui, en termes de compétences, posaient moins de questions, posaient moins de problèmes. Donc pourquoi aller chercher Olivier Véran bah Parce que c'est euh, un argument de vente, évidemment, pour la clinique des Champs-Élysées. Alors, je ne pense pas que ce soit une question de carnet d'adresse en soi. Je pense que si Olivier Véran avait voulu, euh, pour le coup, si Olivier Véran avait voulu euh, monétiser son carnet d'adresse, il y avait d'autres manières. Il pouvait travailler dans le conseil. Euh, il pouvait fonder une boîte de conseil, il pouvait euh, alors aller travailler avec les laboratoires médicaux. C est, c est, pour le coup, la haute autorité de transparence sur la vie publique aurait peut-être tiqué, mais pourquoi pas quelque part En tout cas, pas, pas pour le faire en, temps, en même temps que son mandat de député. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que et même les, les activités de conseil, je crois pas que tu, je crois, je crois que tu peux plus les faire, tu peux plus les, les, les créer pendant que tu es député. Maintenant, c'est ce qu'avait fait euh, euh, François Fillon à l'époque. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que. Ce qui est sûr, c'est que euh, Olivier Véran, du point de vue de, donc voilà, du point de, vue de, de la clinique des champs élysées je ne suis pas sûr que ce soit une valorisation du carnet d'adresse. Enfin, je ne pense, pense pas que ce soit ça la question. Par contre, c'est purement un argument de prestige. En fait, c'est juste un argument de prestige. C'est que cette clinique qui, euh, qui traite déjà, je ne dis pas soigne, euh, mais qui traite déjà des influenceurs, des stars du showbiz. Euh, des, euh, on imagine très bien des Parisiens des beaux quartiers très fortunés qui viennent se faire là-bas leur petite injection de botox. Bon, euh, <laughs> la passion avec de dollars, absolument. On imagine très bien que, justement, pour les clients et clientes de cette clinique, le prestige est important. Et donc, avoir un ancien ministre au sein de la clinique des Champs-Élysées, tout d'un coup, en termes de prestige, c'est pas mal, tu vois. Et donc, c'est là où, en fait, tout ça est, est, est tout à fait. Euh, tout ça est et tout à fait scandaleux c'est que le, le deal c'est évidemment un deal financier euh, quand Olivier Véran dit je sais pas combien je gagne euh, par jour mais mais enfin je veux dire mytho 100% mytho 100% c'est sûr et certain on peut pas le prouver bien sûr euh, il le déclare et c'est impossible de dire le contraire mais on imagine enfin bah déjà personne ne négocie son embauche euh, <laughs> sans négocier son salaire tu vois genre en fait ça n'existe pas au minimum même si tu même si tu ne négocies pas ton salaire on te le donne tu vois donc déjà c'est impossible, impossible de, 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 de dire ça. Enfin, c'est prendre les gens pour des cons. D'autant que, à fortiori, en l'occurrence, c'est clair que le recrutement d'Olivier Véran, c'est un recrutement pour faire un recrutement de prestige. D'ailleurs, la preuve, je vous le disais, on parle, la clinique des Champs-Élysées sait que en recrutant Olivier Véran, on va déjà parler d'elle pendant deux semaines. Ce que je suis en train de faire d'ailleurs moi-même en ce moment même. Euh, ils savent que le fait de recruter Véran c'est déjà une opération de pub gratuite parce qu'on va parler d'elle en disant ah oh, vous rendez compte ouais, les gens ça fait parler les gens évidemment ça fait évidemment parler les gens donc euh, donc euh, donc euh, euh, bien sûr que c'est euh, bien sûr que c'est euh, de la part euh, du ministre euh, euh, de la santé enfin de l'ancien ministre de la santé euh, une opération de, de prestige et de communication que s'offre la clinique des euh, Champs Élysées et une opération de prestige, de prestige et de communication qui ne peut qu'être rétribuée financièrement donc on peut imaginer que derrière il y a des enfin c'est impossible d'imaginer le contraire en fait que derrière il y a des intérêts, euh, des intérêts euh, économiques très forts et que c'est la seule chose qui a guidé Olivier Véran mais moi enfin en termes encore une fois en termes de déontologie euh, politique déjà le fait que, le fait que le fait que les responsables politiques valorisent leur, leur, leur étiquette euh, et leur aura euh, pour derrière trouver des postes très bien payés dans les entreprises, bon, bah, quelque part, en fait, ça, ça fait partie du jeu. Ça, ça, pour le coup, tu peux, tu peux difficilement t'y opposer. Mais que ça se fasse au détriment du bien commun, parce que c'est de ça qu'on parle, hein. que ça se fasse au détriment du bien commun, avec un neurologue formé euh, par l'université française sur euh, les subsides. Euh, issu des impôts des Français, sur les impôts des Françaises et des Français, euh, devenu ministre euh, parfaitement au fait de la problématique des déserts médicaux, qui s'était engagé, qui s'était engagé à ce qu'il n'y ait plus de, de déserts médicaux d'ici 5 ans. Et c'était il y a 3 ans. Et ça n'a pas avancé. Que cet homme-là, derrière, plutôt que de retourner au turbin pour soigner les Françaises et les Français, pour être utile au quotidien, qu'il choisisse d'aller faire des injections de Botox euh, à la clientèle parisienne fortunée... Bon, ce que vous voulez. Une... Mais c'est une faillite morale, en fait. En fait, c'est une faillite morale. C'est une faillite morale, et voyez, le, le fait que... Euh, c'est vraiment, pour moi, une faillite morale. Et, et, et le fait qu'il puisse se permettre de faire cela. Euh, le fait qu'il puisse se permettre de faire cela, en l'assumant très publiquement, cest il, il le veut. il vient en parler, à mots couvert certes, mais il vient en parler euh, sur quotidien. Euh, derrière, quand, quand le Parisien euh, l'interviewe, il se, il, se permet, il se permet de faire de l'ironie. Je ne toucherai ni à des pénis ni à des fessiers je serai très loin des prothèses mammaires. Il se permet de faire de l'ironie. Il se permet de prendre les gens pour des idiots en disant « Non mais je ne sais même pas combien je gagne. » Bon, c est, c est, ça va, c'est bon. Bref. Mais bon, on l'aurait critiqué de toute manière. Voilà, c'est ça. De toute façon, on l'aurait... Bien sûr, hein, de toute manière, on l'aurait critiqué, vous voyez Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme Jean-Michel Blanquer, hein, qui, est, qui euh, a bénéficié d'une procédure passe-droit absolue pour, de, pour, euh, pour obtenir un, professeur, un poste de professeur des universités à l'Université Paris II Panthéon Assas. Euh, ce qui était un passe-droit absolu, hein, là où euh, l'accès au poste de professeur des universités prend souvent des années et des années euh, au sein de l'enseignement supérieur. Euh, donc passe-droit absolu. Mais lui aussi, on l'aurait critiqué quoi qu'il arrive, bien sûr, hein, évidemment. Bref.